Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Et montage vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Salut à vous. C'est comment vous avez promis la transparence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous venons là de terminer une autre compilation. Donc là, vous avez donc les résultats des compilations par rapport à ce que nous sommes en train de faire de la pétition. Là, vous aviez des fiches que nous recevons à travers les emails et nous avons des fichiers que nous avons donc sur la base de données. Tout ça, ce sont les pétitions. Tu vois, à chaque numéro, par exemple, cette fiche là, vous avez la fiche 649 et vous allez donc sur le fichier Excel, vous allez voir la fiche et vous allez voir le nombre de signataires. Sur la fiche de pétition, vous avez 6217 qui s'est ajouté, les gens qui signaient par la fiche, et en ligne il y a 42 qui s'est ajouté après le 19 janvier 2022. Donc au total, on peut dire après les derniers décomptes que nous avons réalisés au 19 janvier 2022, voilà, après le 19 janvier 2022, il y a 6259 Congo qui s'est ajouté. Et donc, pour un total à ce jour, 22 octobre 2022, un total de 34 264 signataires de la pétition. Continuez à signer la pétition USK-FK. L'autodétermination des peuples Congo demeure l'unique solution pour notre survie. Avançons vers la victoire. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Fédération Congo vous invite, peuple Congo, du royaume du Luango, de l'état du Niadi, de l'état de la Bouenza, de l'état de la Lekoumou, de l'état de Pangala, à un recrutement du personnel destiné à la construction de notre nouveau pays. Les candidats postuleront selon leurs compétences dans les domaines d'activité suivants. Affaires étrangères. Justice. Défense. Intérieur. Finance. Budget. Planification de l'économie. Commerce. Santé. Énergie, mines et hydrocarbures. Éducation. Enseignement supérieur et recherche. Culture. Industrie. Agriculture. Pêche. Élevage. Eaux et forêts. Transport. Communication. Télécommunication. Habitat. Tourisme. Patrimoine. Cette liste est révisable selon les besoins à couvrir. Avançons tous ensemble pour la Fédération Congo. Beto Kwenda, Nama Toala, Samu, la Fédération Congo, Yabé. 38 Avenue du Maréchal Foch, 78 400 Château. Adresse email luangosouverain@gmail.com. Et vous pouvez aussi envoyer aux adresses email Fédération Congo North America @gmail.com et Fédération Congo @gmail.com.
TV pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PS TV, nous sommes auprès de vous. To the World Truck International Show. We hear it, and then they'll copy. We jump on the yacht. We hear it. Yalla. And then they'll copy. Connectez-vous. We hear it. Connectez-vous. Put your ball on Ah ouais. Bande de bibliothèque chez vous, tu te mets le ya. On partage le seuil de nos câbles. Ah là là. Ils sont foutus là-bas, donc c'est la panique générale. Panique généralisée. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. La panique généralisée. Partagez le show là-bas. Il y a le cabinet venu. On est encore là. Bon week-end chez vous. J'espère que vous passez un bon début de week-end. Nous, on est déjà là. Vous savez qu'il y a des nouvelles. Il y a des décisions intempestives là-bas. Ils ont pris des décisions là-bas. Ils ont fait des communiqués, donc, nos airbonds. Donc, il a failli quand même qu'on monte au créneau, qu'on vienne remettre les pendules à l'heure. On ne nous a pas laissé le choix ici que de remettre les pendules à l'heure. Je suis en train de partager sur WhatsApp. Essayez de partager un peu dans les groupes, dans les inbox, un peu partout. On est vendredi, j'espère que les personnes n'est tard, là. Nous, on est là. Donc, Maman Nangoulou, bonsoir. Nimbotezak, Maman Nangoulou. Nitoué quoi, on est ensemble. Peuple de la Fédération Congo, bonsoir à vous tous, dépendamment de l'heure que vous suivez. Nous sommes bien sur PSTV, KI TV. C'est ici qu'on déchire les gens ici. Donc nous sommes dans le topic de Zephyrius Moulou. Il y a pas mal de trucs qui sont sortis aussi au niveau de Libération, que nous allons lire un peu. Maman Makila Mabembo Tezaku, Mbotiangeku Nawa Faso. Maman Adeblaye, Nitoué quoi. Donc on continue à partager sur WhatsApp. Dans les inbox, un peu partout. Écoute, tu vas Nimba, parce que vrai Nimba, tu vas Nimba. On va les Nimba ici, Betke Boula. Boula, oui, je vous en prie, Boula, il. Betke Boulbao. Oh là là. C'est la panique généralisée là-bas. Donc, ils ont même créé des associations là-bas qui passent de maison en maison. Pour essayer de parler là-bas, on est entre nous, tout ça là, patati patata, Shirba Tele. Derrière ces associations-là, ils en profitent aussi de draguer les femmes. Vous vous trouvez tout l'image Jimmy, pour mettre encore des femmes enceintes. Ils ont créé des associations là-bas. Je suis au courant de ça. Je vais bientôt sortir le nom de ces présidents et présidentes de ces associations-là, chapeautées, dans le but de dissoudre la fédération. Mais comment, on y 22 heures pile au comptoir, est-ce que les gens dorment déjà ou comment? Normalement, c'est l'heure à laquelle on a fini de faire coucher les enfants, tout ça. On a fait ses affaires, tout, on est un peu relax. Donc, il faut prendre quelque chose déjà, parce que nous allons parler de pas mal de topics ce soir que nous allons aborder. Parce que nous allons frapper fort. Nous allons mettre à nu ce fameux-là, depuis des années qui cache. Nous allons mettre à nu Mboulou. Vous avez bien vu, même dans le titre ici, titre Yagunagou. C'est-à-dire que les titres graves ici. Faut me le taguer, s'il vous plaît. Ministre Mboulou Mouchitou, Mboulou Mouchitou Yande, Vrenchitou tout ça, Mboulou Mouchitou. Donc, affaire Orion Oil, c'est dit déjà vu.
C'est du déjà vu. C'est une redondance. C'est du déjà vu. Nous allons parler de ça. Vite fait, nous allons le survoler. Bien sûr que nous avons des références, tout ce qui va avec. Et donc, affaire Orion Hall, Manuel Valls et le soupçon à 2 millions des proches de l'ancien premier ministre ont-ils approché l'homme d'affaires Lucien? Lucien Mbata, en vue d'un financement occulte de sa campagne naissante pour la présidentielle 2017. Nous allons explorer ça parce que ça nous intéresse. 2.2, opération Mbata. Ce n'est pas nouveau, sauf que vous oubliez vite, nous allons vous rappeler des choses ici et ceci va nous conduire dans notre volet de ce monsieur-là que vous connaissez, le ministre Mboulou. Taguez-le, s'il vous plaît. Taguez Mathurin, taguez tout le monde là-bas, tous les panzandekés. Talarami, soliéke, talamounvé. Donc, affaire ministre Zephyrius Mboulou-Mouchetou, Mboulou-Madez, oulala, Gounagou, Zephyrin Mboulou, monsieur Mboulou, hein? Donc, après, nous allons, ça va nous emmener vers les mentalités corrompues des Congolais, les Congolais qui sont là, les Congos qui sont là, qui sont noyés quelque part, on va les frapper avec ça. Les mentalités corrompues des Congolais contre la Fédération Congo. Lecture de commentaires, micro ouvert. Donc, nous allons parler de Mboulou ici. Monsieur Mboulou, le micro est ouvert ici. Je ne parle pas derrière les portes de maison. Hein, parce que je sache, c'est parce que j'entends ici, par-ci, par-là, que lui, là, ceci, cela. Hein, vous avez prôné les soi-disant démocratiens. Hein, démocratie là-bas, il paraît la parole est ouverte là-bas. Donc ici, c'est ouvert, le numéro WhatsApp est là. Si tu estimes que nous parlons mal de toi ici, tu appelles ici. Hein, ici, c'est le gouverneur de Mpangala. L'autorité là-bas, sur les terres où tu es là, en ce moment. C'est l'autorité qui te parle ici. Hein, monsieur Mboulou? Donc, ces histoires de se croire autorité, c'est fini. Donc, s'il y a un problème qui ne va pas, vous êtes libre, vous appelez. Hein? Bien sûr, tout en étant respectueux et avoir une relation cordiale ici pour mieux expliquer les relations. Parce que si vous appelez ici, c'est pour faire croire aux gens que ce n'est pas vrai ce que je dis. Donc, vous êtes libre. Nous allons le déchirer ici, jusqu'à la moelle épinière. Bébé ça, tout le monde, bébé ça. Dilana, Dila, Pouton, vous-même, vous savez déjà ici. Djibundu, Djakomo, Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Oh là là. Donc, ça donne déjà des forces quand on dit ça ici. Djibundu, Djakomo. Nous sommes dans l'esprit Congo, de la Congo. Djibundu dja Congo, Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Voilà. Comme elle est taguée, je partage encore dans WhatsApp ici. Parce que ici, là, je partage dans WhatsApp pour taguer, c'est-à-dire que bon, nous caillez pour nous. Nous sommes ici tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille, on est là. Toujours dans la paix du Seigneur. Oh, oui, à la paix du Seigneur. Mais il n'y a pas ma part, ma criminel, bancham tima imbi, betke boulbeno. Oh là là. Ah, vraiment. Tchari tchaching. Tchari tchaching. 9 jours pour le voleur. Oh là là. Ils sont fâchés là-bas. Partage juste sur WhatsApp vite fait. Et donc, vous-même, vous savez comment ça se passe ici. Vous savez comment ça se passe ici. Ici, ça dit qu'on n'a pas pitié des gens. On n'est pas dans les histoires ici. Là.
Bonsoir encore, bonjour encore les balconiers. Ceux qui sont au balcon, bonsoir à vous. Je sais que vous êtes là, au balcon. On se connaît. Je connais vos habitudes. Vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Bonjour à vous, les balconniers. On se connaît. Les mauvais balconniers, ceux qui sont pour la fédération, que Dieu vous bénisse. Les ceux-là qui ne sont pas pour la fédération, vous, les sales balconniers, là, il n'y a pas de bénédiction pour vous. Vous êtes là pour écouter ce qui vous fait mal. Parce que nous, ici, on parle des choses bien. Nous, on parle des choses qui parlent bien. Et vous, ça vous fait mal. Donc, souffrez avec nous. Et nous compatissons. Mais, si tu es un faux balconnier, là, ne cherche pas pour toi à venir sortir d'ici haut. Parce que ici, là, c'est la paix du Seigneur qui règne ici. Ici, on met les gens à nu. À nu, mais vraiment, mon takala. Hein, mon takalisation. C'est ce qu'on fait ici. Aimé Fabrice, comment vas-tu là? Ça va ou quoi? Maman Pascaline, t'es la mieux. Pourquoi va-t-elle? Ni tu es quoi? On est ensemble. Hein? Tata Hervé Kinkala. Nimboteza, au peuple Congo, on n'écoute pas ces associations d'embauche. Voilà. On va y revenir tout à l'heure. Bonsoir, Tata Dim, et à tous les enfants Congo, Fédération Congo, Tiena Tia. Même les mouches font peur aux éléphants. Oh là là. Ouh là là. C'est chaud ici. Yeng, yeng, na yeng, na yeng. Oh là là, mais vraiment, c'est compliqué ici. Sikama. Wa. Siamba. Wa. Tatamana. Oh là là. Nous. Oh mama. Sikama. Wa. Siamba. Oh là là. Tatamana. Nous. Oh. Parce que là, non. Vous avez affaire à la génération Congo 2.0. Nouvelle génération. C'est chaud pour vous. Hein? On se connaît. On connaît bien vos enfants là. Donc, personne ne va dire ici comment. Il paraît qu'on a grandi ensemble. On se connaît, non? On se connaît bien. Donc, il n'y a rien à dire ici. Ah oui. Il y en a parmi vous, là, avec qui j'ai eu la première communion ensemble ici. On a eu les premières communions. Hein? À Saint-François, là. On se connaît. Donc, il n'y a pas à chercher des problèmes ici. Donc, les gens, avant de commencer notre show, nous allons aller danser. Vous savez, notre nouvelle danse que les jeunes ont sorti dans la Fédération Congo, la danse qu'ils ont copiée là. Ngando Gouye. Ils ont copié ça là. Nous allons danser ça avec DJ Kratos. Et ensuite, nous allons attaquer. Donc, partagez déjà là-bas, cherchez-les vraiment. Ah, il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube là. C'est comment? YouTube là, vous ne partagez pas ou quoi? Les balconniers, là aussi, ne veulent jamais rentrer. Ils ne veulent pas venir ici parce qu'on va dire, oh, on t'a vu là-bas. Parce que ici, là, vous savez, les PCT, ils viennent fouiller les noms des gens ici. Ah, il était dans le live. Ah, il était là-bas. C'est-à-dire que l'histoire de la fédération, là, a même bouleversé les couples des gens. Alors qu'il ne s'agit pas de couple, il s'agit des vies des gens. Nous sommes un patrimoine de l'humanité, nous, les Congos. Nous avons le droit d'exister. Donc, on veut nous enlever de l'existence de la Terre. Quoi. Genre, 2.0, génération 2.0, Kratos les gens. Donc, ça m'en vient. Et
éclaircifié après la pluie. Voyo kami palier à choc en frappant. Daroma les bous, stratosphérus. Daroma les bous à l'obéisa, la parisienne Rochi qui noie. Saint-Michel à l'obéisa, Soso Isala, Michel la cause. Routier Romaru à l'obéisa, Isala, l'île de la discipline. Passaïa Rolonga Rosa, l'obéisa, la talé. Tiga Batonga, Balo, Baba Pinga, Toye, Baba Pina. Nga, nouye. Tobina, Koutou, 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 Nga, nouye. La météo, Babini, Babini, Bakagi. Nga, nouye. Tozo Bena, Topusa, Lokolo, Tokanga, Nikolo. Nga, nouye. Elle fait la FIFA, Balobi, Yokanga, Bena. Nga, nouye. Jéroba, Kacha, Balobi, Kakali, Soussou. Nga, nouye. Kakoutou, Koutou, 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 Kakoutou, Nga, nouye. Claro di Bata, Alobi, Nanga, Isa, Massemo, Lionel, de Racel. Oya, Diable, Rouge, Alobi, Isa, La Tale. Établissement Eric Bois. Qui est toi, Kade, pourquoi, Alelo, Isa, La Tale. Artin, Koloba. Le petit Matoko, Dorlan, Alobi, Isa, La Tale. Maître Kloto. Tiga, Baton, Gavalo, Baba, Finga, Toye, Baba, Fina. Nga, nouye. Nandouani, Batele, Nandouani. Nga, nouye. Nandouani, Bayaya, Batinini, Wawo. Nga, nouye. Wotame, Bayaya, Batinini, Wawo. Nga, nouye. Gouvernement, le président Romain Onguet, le Saint-Esprit mis à part. Son Excellence Roquelois, mon président. L'international, il a gloire qui bata. Latéral, trois monnaie de Asselopar. De Sar 4, Bayoka. Le président, je fais monter qui monnaie la gazoine de Mendo. Chef mérite de la gendarmerie. Mon président Tatine Teddy, le papa de Yohan et de Stéphane. Là je m'impose avec agressivité accompagné d'une boule de cristal. Si vous voulez avoir un nom, envoyez vos sorts aux États-Unis pour le mixage. Moi je reste avec Maître Shelby Barack Obama du temple. Faites tes bords. Et si quand on est bien, bien, ma femme s'appelle Sandra bien. Sandra bien, un peu sanga, ma sanga na lingi na mela, ma sanga na ngai. Ama sanga ya Congo to mela. Ya koulon de bire kubanda, bire banengi ba mona na roma ne buzo ba ne mana ko mona ma soga zamba nusa songe sa zame jene aroko jame vaya longo. Kumatumu ntuku manima mutu, kumatumu ntuku. Chop chop. Kumatumu ntuku manima mutu, kumatumu ntuku. Chop chop. Je Kratto chop chop, Samounye. Chop chop. Kumatumu ntuku manima mutu, kumatumu. Le top Bojab Timanampaka, espace la fortune chez Merso. Le président Jalfa de Full Business. Mariela Rochelle, Lombi Lombi, Isala Tele. Lino Ventura, elle fait la FIFA, Lombi Nanga, Isala Tele. Le patron de la bijouterie, tout bouge. Mende Maria, Lombi Nanga, Isala Tele. Galas Koutiman Foké. Oula Bibaga, Lombi Nanga, Isala Tele. Tiga Batonga, Balo, Baba Finga, Toye, Baba Bina. Nga, nouye. Peribi Kongo, Alobi, Tobina, Isusu. Nga, nouye. Otilan de Mambo, Balobi, Keba. Nga, nouye. Le Beninois, Mara, Lokaïda, Lobi, Kanga. Nga, nouye. La dosse, Batele, Mwana, Isala. Parrain le chauffeur. Mais très fort, tu sais, ma belle, ma belle, Isala.
Malonda Marielle, Ozania, Nicolisere, Morganizan, Rosilia Talbani, vous mettez au bas du Riman, Isan, et où ma campa, Isan, Talan, 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 Isan, Talan, Poussa, Poussa, Kangalo, Colo, Nicolo, Pouka, 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 le cœur de la petite délicia, Serge Boga, Poussa, Bena, Poussa, Poussa, Poké, Orchidel, Maou, Yonel, les bases, le big manager, Kangalo, Colo, Poulou de la sec, King de Monace, qui se sont donné, Poupou, comme un colo, Tatamboué, tu marches tout à l'aise, Pouka, le colo, Ganoué, Darom, allez-vous, ma. PS TV pour toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PS TV, nous sommes auprès de vous. Salut à vous. C'est comment vous avez promis la transparence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous venons là de terminer une autre compilation. Donc là, vous avez donc les résultats des compilations par rapport à ce que nous sommes en train de faire de la pétition. Là, vous aviez des fiches que nous recevons à travers les emails et nous avons des fichiers que nous avons donc sur la base de données. Tout ça, ce sont les pétitions. Vous voyez, à chaque numéro, par exemple, cette fiche, là, vous avez la fiche 649 et vous allez donc sur le fichier Excel, vous allez voir la fiche et vous allez voir le nombre de signataires. Sur la fiche de pétition, vous avez 6217 qui s'est ajouté, les gens qui signaient par la fiche, et en ligne il y a 42 qui s'est ajouté après le 19 janvier 2022. Donc au total, on peut dire après les derniers décomptes que nous avons réalisés au 19 janvier 2022, voilà, après le 19 janvier 2022, il y a 6259 Congo qui s'est ajouté, et donc pour un total à ce jour 22 octobre 2022, un total de 34264 signataires de la pétition. Continuez à signer la pétition USK-FK. L'autodétermination des peuples Congo demeure l'unique solution pour notre survie. Avançons, avançons, avançons vers la victoire. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Chalk International Show. We hear it, and then they'll copy. We jump on the yacht. We hear it. Yalla. And then they'll copy. Connectez-vous. We hear it. Connectez-vous. Kutomoloya, on partage nos chaînes de nos cabines. Oh yeah, it's going down, there is a fire tonight. Kutomoloya. Affaire ministère, Zepinus Mboulou. In the building tonight. It's going down. Tagele. Welcome. Vous avez bien vu ici, là. Il y a le marteau de la justice là. Nous ne sommes pas dans l'injustice, justifiés dans la justice de l'injustice. Comme vous avez pu le constater, vous pouvez le voir au niveau du grand titre ici, affaire ministre Mboulou. Nous, on ne les appelle pas des ministres. C'est un jargon que nous avons eu à adopter depuis un certain temps. Quand c'est les députés, on dit les députés. Quand c'est les ministres, on dit les ministres. Quand c'est le premier ministre, on dit le dernier ministre. Quand c'est la première dame, on dit la dernière dame. Non, encore, mais vraiment non. Ça, c'est notre jargon adopté face à ces gens. Quand c'est des honorables, on dit des déshonorables. Ils doivent être déshonorés parce qu'ils n'ont pas voulu nous honorer, nous. Nous qui nous avons donné le boulot, les maisons et tout ça.
Ils ont cru qu'ils pouvaient jouer avec le peuple congolais. Donc, vous avez quoi ici? On va commencer par l'affaire Orion. C'est du International News. Je pense que tout le monde a sauté dessus. Là, nous allons un peu recadrer ça. Nous allons recadrer cela. Vous savez, c'est quoi l'affaire Orion? Pour ceux-là qui sont au courant de ça, il s'est publié un peu partout sur les réseaux sociaux. Hein. Partout un peu, on retrouve ça, l'affaire Orion, sur les réseaux sociaux et tout ça. Passe encore un scandale de pétrole. On va essayer de vous lire ça ici vite fait et nous allons un peu commenter ça à notre manière parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà vu. Il s'agit de cette affaire que le journal Libération a publiée, hein, à enquête affaire Orion Oil Manuel Valls et les soupçons à 2 millions. Affaire Orion, bon, je vous dis ça, affaire Orion Oil. Où est passé l'argent du pétrole des Congolais? Quand on a mis le titre là-haut, là, là, les Congolais ont sauté là-bas. Je vous ai toujours dit qu'eux, ils ont la mémoire courte. C'est-à-dire qu'eux, non, ils sont compliqués. Ils ont sauté, ils sont contents. J'ai vu qu'ils sont en train de publier ça partout. Hein. Moi, on peut lire qu'est-ce qu'ils sont en train de publier partout parce que ça a l'air d'un scandale. Un scandale du siècle. Hein? Mais nous, dans la fédération, c'est du déjà vu. Des proches de l'ancien premier ministre ont-ils approché l'homme d'affaires Lucien Ebata? L'homme d'affaires Lucien Ebata, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à ça qu'il ressemble. D'abord, comment, qui est-il? On va peut lire un peu ce qu'il est. Je suis vraiment compliqué. Il est qui? On nous dit quoi? Lucien, on va mettre ça en français. En français, peut-être c'est mieux pour tout le monde. Voilà. Lucien Ebata est un homme d'affaires et éditeur canado-anglais. Canado-Congolais. Donc, il a la nationalité canadienne apparemment. On a marqué ici Canado-Congolais. Il est le fondateur et PDG de Orion Oil et l'éditeur de Forbes Afrique. Date, lieu de naissance, 12 mars 1969, âgé de 53 ans, République de Bonobo du Congo. Enseignement. Hein, enseignement. Où on l'a enseigné? Université d'Ottawa. Hein? Les Canadiens, il faut bien entendre là-bas. Il est foutu. Université d'Ottawa, Université de Montréal, Université de Laval. C'est lui, Lucien Ebata, dont on parle ici, le fameux. En vue d'un financement occulte de sa campagne naissante pour la présidentielle de 2017. Quand il y a eu 2017 là-bas, ce qui s'était passé là-bas. Mais nous, on n'est pas surpris parce que c'est... Pour eux, c'est comme un scoop, hein. Mais nous, on n'est pas surpris. Nous, les Congos, vraiment, on n'est pas surpris parce que c'est chez nous, c'est notre soupe quotidienne. On n'est pas là-bas, une soupe quotidienne. C'est ce que soupçonnent les douanes judiciaires dans le cadre de l'enquête sur la société Orion Oil et des possibles détournements de l'argent, du pétrole, les Congolais, les Congos qui sont idiots, là. On les connaît. Tout ça, c'est parce qu'ils sont idiots, c'est pour ça qu'ils subissent ça. Le patron d'Orion Oil, l'ancien, le vice-président du groupe Havas, Stéphane Fuchs, et Emmanuel Valls, ex-premier ministre, photomontage, hein, Libération Montréal, excusez-moi. Donc, la Libération révèle les rouages de ce qui pourrait être l'un des principaux circuits de détournement des recettes de pétrole congolais de Paris à Brazzaville, l'entité C, en passant par la Suisse et Monaco. En cause, la société Orion Oil et son patron Lucien Ebata, proche du Mathurin Sassou Denis Tungesso, et aux multiples relations avec des personnalités économiques et politiques françaises. Voilà. Donc, ce novembre 2016, Lucien Ebata est apparu comme à son habitude, il a multiplié les rendez-vous dans un salon du Peninsula, un palace parisien proche de l'avenue des Champs-Élysées. Quelques personnes de ce pays sont passées me voir, dit le PDG du groupe de négoce pétrolier Orion Oil. À 20h30, au téléphone, à Philo et Bata, son épouse, le richissime homme d'affaires canado-congolais,
Donc, on leur prend la nationalité canadienne pour se protéger de leurs crimes. Hmm? Sans doute pas mis Céline, Céline téléphonique ainsi que celle de son entourage sont surveillées et alors visées par des minutieuses et complexes enquêtes judiciaires députées 4. Voilà. Donc, c'est ça ce qui se passe là-bas. Donc, ici, nous avons là beaucoup de gens hein, qui ont. Ceux qui peuvent lire ça, je vous le partage, c'est partout sur WhatsApp. Nous avons beaucoup de gens qui sont fiers de ça. Ils s'en disent, ah, enfin, on les a attrapés. C'est-à-dire que les Congolais, c'est eux qui causent des problèmes, là. Les Congolais. Là. Attendez. Donc, on a l'impression que, ah, enfin, on l'a attrapé, enfin. Mais il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Nous allons aller sur WhatsApp, vite fait. Hein? L'histoire de vous rappeler, là, de vous rafraîchir la mémoire, parce que j'ai l'impression que on a l'impression ici que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est du déjà vu. Hein? On va aller sur WhatsApp, vite fait. Voilà. Vous êtes là sur WhatsApp, ici. Écoutez, hein? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout est vieux, Et peut-être les nouvelles générations n'ont toujours pas compris la problématique ici, mais il n'y a rien qu'on ne connaît pas déjà. On écoute ça. Problème à partir de cette grille, unir Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen? Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées tant que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Prigent ne dément pas. Il y en est une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? Donc oui, c'est un scandale, mais c'est la continuité des Mathurins et toutes ces conneries-là. Donc, et on sait, hein, ça n'ira nulle part. Du bruit à un moment, voilà. Et puis, comme les Congolais sont des idiots, hein, ils n'ont pas d'avocat pour poursuivre ce genre de truc, ça va passer. Ils espèrent que quelqu'un va prendre ça pour eux là-bas. Mais bon, ça, c'est plus chez nous là-bas. C'est la Fédération Congo. Nous, on va s'occuper de ça, nous-mêmes. Donc, il n'y a rien de nouveau. Oui, le scandale est là, c'est bien. C'est les bâtards, c'est les embauchés entre eux. On le voit qu'il salit même les Canadiens. Franco-Canadien, Canado-Congolais. Le titre, déjà, là. On les connaît, les embauchés. Ils sont même en train de salir les nationalités des gens. Donc, ils prennent les nationalités des gens pour foutre la pagaille avec, pour se protéger de leur vol, de leur immunité de voleur. Ils se donnent des immunités des voleurs. Ah, j'ai l'argent, tu as la nationalité, oh yo, boye na boye, comme ça, tant que ça m'a bien l'anga, va aussi m'a gâté na wakim l'anga na Canada, n'a pas l'anga Canada. Biso to za ba koto yo. Donc, on boule la bille. Attendez. Donc, nous allons passer à la sauce de Mboulou, celui que j'ai appelé Mboulou Mouchitou. Taguez-le, s'il vous plaît. Donc, je parle de ceci. Ce n'est pas dans le but ici de chercher à détruire quelqu'un ou quoi que ce soit, mais il s'agit ici d'une action humanitaire qui est la Fédération Congo. Vous comprenez ça? Nous avons raison, nous autres là, de protéger les Congos et de nous autoprotéger
Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous les Congos, nous sommes un patrimoine génétique mondial. Comme vous tous d'abord, nous tous ici, chacun de nous est un patrimoine génétique du monde. Parce que il est temps que chacun apporte du sien, n'est-ce pas? Sort de constater que nous avons des gens qui veulent nous déraciner, donc qui nous privent le droit à l'existence. Que certains d'entre eux ont appelé des frères africains. Oh, on est entre nous là-bas, des conneries là-bas. Mboulou-Madenso, que j'ai appelé Mboulou-Mouchito. Figurez-vous, hein? Il y a quelque temps de cela, il n'y a même pas une semaine, un mois, monsieur s'est hasardé là-bas avec des déclarations tapageuses. Hein? Ta gueule, s'il vous plaît. Ah là là. Ah, Mboulou. Il y a longtemps que je te cherchais. Hein? Je veux terminer avec toi. Ta gueule là-bas, s'il vous plaît. Ta gueule. Cherche-le. Cherche-le. Mboulou Kaye. Louquez-le là-bas. Cherche-le. Donc, je vais vous faire écouter, vite fait, ces déclarations tapageuses. Ces déclarations de peu d'intimidation. De peu d'intimidation. Homme de peu de foi, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Qu'est-ce qu'il a dit là? Au-delà de 21h, 22h, s'il n'a pas sa carte d'identité, il est pris. On va revenir à ce système comme ça. Tous ceux que nous trouverons dans la rue seront des délinquants. Parce que sinon, on ne comprend pas. Chacun aura sa pièce d'identité. Nous allons contrôler. Et ceux dont on prendra dans la rue, mais tant pis pour eux. Ils seront considérés comme des délinquants. On va être pris par rapport à quoi? Ça, c'est un petit qui parle là-bas, qui s'est illustré par rapport à ça. On va l'écouter après dans le cadre des réactions. Mais Mboulou, qui est sorti de cette... Hein, de ce, quelque chose qui a indigné pas mal des gens, mais sans comprendre le fond de cette affaire. Qu'est-ce qui s'y cache en réalité? Nous allons décortiquer ça dans le soir, en long et en large. Mais avant ça, on doit d'abord savoir qui est Mboulou, qui est-il? Parce que c'est ce gars-là, il faut vraiment vous savoir qui est-il, qui est Mboulou. Hein, Mboulou, c'est qui? Qu'est-ce que Wikipédia dit de Mboulou? Ah, Mboulou, vraiment. Zéphirin Mboulou est un homme politique congolais né le 19 mars 1956 à Mpouya, de Plateau. Il est de l'intérieur et de la décentralisation. Non, il est ministre de l'intérieur et de la décentralisation depuis 2007, donc le 30 décembre 2007. Et député de Mpouya en 92. On reprend ici là un peu parce que c'est compliqué. On dit ici, Raymond Zéphirin Mboulou est issu de l'ethnie Moshi. Il ne faut pas maintenant dire ici que non, il est tribal, il est ceci. On a dit ça ici, il est de l'ethnie Moshi. Donc, Moshi les Soussous, Bango les Soussous. Vous les voyez là, c'est lui. Donc il est ici là. C'est son nom de nous donner son curriculum vitae. On va y revenir. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué ici. Né le 19 mars 1956 à Mpouya, Plateau, il est ministre de l'Intérieur et de la décentralisation depuis le 30 décembre 2007 et député de Mpouya depuis 1992. Bon. Qui était là en 92? Qui était là-bas en 92? C'est juste une supposition. Qui était là-bas en 92? Nous avons ici le président Pascal Lissouba,
le 31 août 1992 et le 25 octobre 1997. Donc lui, il était député pendant le mandat de Lissouba, je suppose. Donc 2013, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ils ont fait les guerres, et la guerre, il était toujours député. Après, pour 2017, waouh, parachutage, ministre, waouh. Mais gravissime, gravissime, de l'intérieur. Donc, il faudra vérifier là-bas s'il était, s'il était député pendant les sous-bas, parce qu'on parle de 92, il est député depuis 92. Le Mboshi. Il est de l'ethnie Mboshi. Donc, il est député de Plateau depuis 92, pendant le règne de Lissouba. Hein? C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Et il était au courant, s'il était ministre, s'il était député pendant le règne de Lissouba, donc il était au courant des projets de ce qu'on appelait la décentralisation, la municipalisation accélérée, parce que c'était un projet du président Pascal Lissouba, la municipalisation accélérée. Donc, hein, faudra vérifier là-bas, les députations, on ne sait jamais. J'ai seulement posé la question. Hein. Donc, c'est là. Mais, on continue un peu sur le roman, hein, Zéphirin Mbouloula. Hein, on lit encore. Raymond Zéphirin Mbouloula, issu de l'ethnie Mboshi, a étudié à l'ENA. C'est grave ici, c'est grave. C'est quoi l'ENA? École nationale d'administration ENA, créée en 1945 et dissoute en 2021, est une ancienne grande école d'application française chargée d'assurer la sélection et la formation des hauts fonctionnaires de l'État français. D'abord située à Paris, elle s'installe à Strasbourg en 1991. Donc lui, il a étudié à l'ENA. Donc, c'est un cadre Mboshi qui est étudié à l'ENA. Bon, parlons peu, parlons vrai. Ah, mais vraiment, c'est-à-dire que les mots me manquent. Vraiment, les mots me manquent. Donc, il a étudié à l'ENA. Donc, l'école française qui est censée lui donner les bonnes mœurs, l'apprendre à gérer la dite chose de l'État, la cité. Mais vraiment, il fait honte vraiment à l'école. Donc, c'est un ENA. Il a étudié à l'ENA. Et donc, on continue. Où il a obtenu une licence en droit public. Les Mboshi sont trop forts, quoi. Je vous ai dit que eux, non. Ils écrivent n'importe quoi sur le net. C'est-à-dire que si tu es un étranger, hein, que tu viens voir les trucs comme ça, sur leur pays congolais, là, et que tu lis ça et que tu regardes le truc, tu vas rigoler. Donc, on continue ici. Il dit ici, licence en droit public ainsi que au centre d'études financières, économiques et bancaires. Donc, c'est quoi déjà cette science-là? Le Centre d'études financières, économiques et bancaires, CEFEB, est le centre de formation de l'Agence française de développement. D'où donc ses références à lui. Il a étudié en France, là où il est censé être bien formé dans ces grandes écoles-là. Regardez ce qu'il est là-bas. Et il fait la honte de les instituts français. Donc on nous fait comprendre ici que tous les ministres qui ont travaillé, qui ont étudié là-bas, les Mboshi là-bas sont tous bêtes. Pourtant, on voit des études ici, là. Mais on vous dit que là-bas, c'est les bonhommes. Regardez ici. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est quoi là où il a étudié? Donc, on dit le centre d'études financières, économiques et bancaires. Et le centre de formation de l'Agence française de développement, AEFD, institut spécialisé placé sous la tutelle du ministère français des affaires étrangères et du développement international dont la mission principale est da.
Ça, c'est votre intellectuel. À partir de 82, il est inspecteur d'État. À partir de 82. Qui était là-bas en 82? C'était Mathurin, non? C'était l'époque de quoi? De Nkosa. C'était 82, là, c'était quelle année ça? Qu'est-ce que je suis allé lire là-bas en 82? En 82, ce n'est pas le moment où ils ont construit les buildings Mayombe 82, en Jinji là-bas. Donc lui, il est dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il... À partir de 82, il est inspecteur d'État et administrateur en chef des SAF, services administratifs et financiers. Écoutez bien, de 98 à 2002, là, pendant la période de la guerre, là, il occupe le poste de directeur général du contrôle des marchés et des contrats d'État. Donc tout ça, là, c'est pour faire comprendre aux gens que lui, c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui a étudié dans les histoires là. C'est-à-dire qu'il y a Azan, Ayemi Makamwe, Meleneng Azan, Bongwa Mamoutou, donc un intelligent. Ça, c'est son curriculum vitae. Donc, bon. Donc, entre-temps, multimilliardaire, un ministre, à ce rang-là, beaucoup d'argent. Il est moche. Mais quand tu fouilles ses origines, c'est toujours des gens qui viennent de loin. Les Mbochis sont comme ça. On se connaît maintenant. Donc, en 92, il est élu député dans la circonscription de Mpouya, Plateau, et depuis, était réélu à toutes les élections législatives à ce poste. Ah, patata, mais les Mbochis sont trop graves, quoi. Et puis, c'est ça, des gens-là qui parlent français. Et il a mis des écoles ici, mais grave. Qui même expose les écoles, les professeurs? Mais comment, déjà, comment on a fait pour le recevoir même là? On ne parle même pas ici là, de son admission à cette école-là. Et puis, vous allez remarquer ici, qu'est-ce qu'on dit ici? Ici, qu'est-ce qu'on a dit ici là? Oui, Zéphirin Mboulou, ethnie Mboshi, hein, issu de l'ethnie Mboshi, a étudié à l'ENA. Hein, c'est-à-dire que on a sauté le primaire, le lycée, le CG, quel lycée il est parti, quelle école primaire, blablabla, ENA. Quelle magie. Ah, bah, Mboshi, compliqué, mais quoi. Donc, on ne sait pas. Ça, c'est lui déjà. C'est-à-dire que je peux continuer ici. D'abord, on va quand même continuer un peu avant d'arriver dans les vraies choses. Là. Donc, il dit quoi ici? En 92, il est élu député de la circonscription de Mpouya. Bon, maintenant, Mpouya, bon, t'as la vie sur les Kamboyo. Les plateaux. Mboulou. T'as la moto d'abino. Oh, Kaïbo, bon, t'as. Primaire exalté, CG exalté, rien. Donc, à sauter, moi, Balena. Et c'est juste sûr et certain, si on vérifie là-bas, il n'y a rien. Parce qu'un énarque ne peut pas être comme ça. Je suis désolé. Donc, puis de 2002 à mai 2007, il est directeur du cabinet du chef de l'État, comme d'habitude, comme référence. Le 18 mai 2007, il est nommé secrétaire général de la présidence de la République. Titre. Donc, avec rang et prérogative de ministre. Oh là là. Titre, mon roi, au sommet de la popularisation de la mobilisation. Sans avoir l'école primaire, rien. Je ne sais pas quel est le gars qui est parti avec lui à l'école là-bas. De l'entité, c'est là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que Monta Kenana Mboulou Nanchik Kunan est pas Nabino Kunan? Natunika. Est-ce que quelqu'un parti à l'école là-bas? Les parents, est-ce que quelqu'un parti à l'école avec lui là-bas? Au primaire ou quoi? Oh là là, c'est compliqué, vraiment, c'est compliqué. Écoutez encore ici.
Il occupe ce poste jusqu'au 30 décembre de la même année, parachutage, date où il est nommé ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Administration du territoire. Que veut dire un administrateur du territoire? Du terre-terre. Donc, c'est lui qui doit administrer le territoire. Donc, c'est lui qui doit faire tout là-bas. Les mercenaires qui doivent rentrer. Les gens qui doivent... C'est-à-dire que le rôle d'un criminel, gardien des chaînes, il occupe, on a écrit ça ici. Il est nommé ministre des administrations du territoire et de la décentralisation lors du remaniement du 15 décembre 2009. Son portefeuille change et non, il devient ministre de l'Intérieur de la décentralisation. Yo, que tchao, tchao, compte, oh, eh. Mboulouba nommé ministre, je ne connais pas président. Eh, maman, oh, oh, là. Mais, on tourne mes chaînes, mes chaînes, mon tatin, il y a un message, mes chaînes. Nous avons un tchoum, nous avons un tchoum. Le sac, président, ça soit un mboulouba bichot. Yangoyo. Des parachutages, on vient mentir, on mando vision sur l'Internet ici et on met en jeu les écoles qui sont censées être des écoles renommées. Pour... Mais comment? Un énarque. Qu'est-ce qu'on a encore écrit ici, là, sur lui? Pas d'école primaire, pas de CG, rien, pas d'université, mais comment? Parachutage, hein? Ils sont tous comme ça. Allez-y leur lire leur curriculum vitae. Allez-y lire le curriculum vitae de brouillard, tout ça. Début avril 2014, hein? Il ordonne le déploiement de l'opération Mbata Yabakolo. Donc, lui, il est habitué à semer le désordre. Hein? Vous là. Bino Batoua RDC. Oh, boye, oh, ma Congo, boye. Ici, ma lobby, ici, là, il est de l'ethnie Moshi. Bangonde. Boye, Koko, Sarabiso, machin. C'est lui, là, qui a ordonné l'opération Mbata Yabakolo, hein? Visant à expulser des étrangers en situation irrégulière, notamment des jeunes issus de la République démocratique du Congo et membres des gangs Kuluna. Yé mouta bemu abomisiki. Yé abomisaki matona binokune. Yé oi. Il est habitué à donner des ordres comme ça. Pra, pra. Bata abakolo. Plus de quart d'identité. Il y a toujours des morts quand il fait ces choses-là. On te connaît. Hmm? Donc, il avait ordonné ça quand? Il occupe ce poste, voici, à l'administration. Le 15 septembre 2009, son portefeuille change de nom et il devient ministre de l'Intérieur de la décentralisation. Début avril 2014, il ordonne le déploiement de l'opération Mbata Yabakolo, visant à expulser tout ça. Les étrangers en situation irrégulière, des jeunes, parce qu'ils sont habitués avec les jeunes. Makila, il y a des jeunes de Tangagou, il y a des des jeunes issus de la République démocratique du Congo et membres des gangs Kuluna pour embrouiller les gens, des violences policières et traitements dégradants, violant les droits humains, sont dénoncés notamment par la UNESCO qui craint une crise humanitaire et demande arrêt immédiat de l'opération. Mais en 2014, le 21 2015, lors de la rencontre avec des diplomates étrangers, Raymond Zéphirin Mboulou déclare que l'opération doit se poursuivre car c'est nécessaire pour lutter contre l'insécurité, mais que tout sera mis en œuvre pour éviter des dérapages et respecter les droits humains. Ça, c'est votre Mboulou. Hein? Pas de pièce d'identité. C'est ça son travail. Maintenant, vous avez écouté un peu ces déclarations tapageuses qu'il a eu à faire. Mboulou, c'est aussi un homme d'affaires, d'après ce qu'on dit ici. Quand on est ministre de l'Intérieur, c'est celui-là qui signe les passeports.
Moulou, d'après l'air, parce qu'il est toujours cité dans les violations de droits de l'homme, c'est lui-là qui aurait signé les passeports des mercenaires qui sont rentrés pendant les opérations Mouébara lors de la guerre. Nous parlons ici avec des preuves, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Il ne faut pas venir mentir les gens ici, là, que Kayi Boyena Boye. Yo, mon gomoto bini. Voilà. Ça, c'est le passeport du mercenaire. Martin Abdoulaye Menskine, qui a été arrêté depuis là-bas, dans le cadre de ces choses-là. Avec la nationalité congolaise. Le Congo, là. Voilà la signature de Moulou. C'est lui qui a signé le passeport. Il y a aussi Kunta Manjimba. Et ça, c'est des documents. Hein? From the confidential source in October 19, 2019. Ils ont tout un dossier comme ça, eux tous là-bas, là où ils sont. Non? Et ils le savent. Nous allons écouter un peu, vite fait. J'ai oublié de vous dire, j'ai les documents de Mbolo avec ses bateaux, son bateau de luxe et tout ça. Mais mon archiviste n'est pas là aujourd'hui. Donc, dès qu'on finit le show, je vous dépose ça partout sur WhatsApp. Nous allons écouter un peu des réactions à chaud. Il ne faut pas oublier que Moulou, en ce moment, il a des bateaux de pêche et des bateaux de plaisance. Mais ces bateaux-là lui servent aussi à faire la contrebande. Hein? C'est-à-dire qu'il peut faire des trafics d'armes, des ossements, ainsi de suite. Les bateaux de Moulou. Mais toujours est-il que lui, en tant que ministre, comment peux-tu avoir autant d'argent, lui, pour acheter ces bateaux-là? Face à cette déclaration tapageuse qu'il a eue à faire ici, nous allons écouter les audios tout à l'heure sur WhatsApp, mais nous allons voir un peu le climat, dans le climat. Le climat dans lequel il a fait sa déclaration tapageuse sur les pièces d'identité. Là. Et on va vous dire pourquoi. Voici le climat qui règne au pays. Je vais aller sur WhatsApp, là, je crois. De désolation. De chaos. Il y a quelques jours de cela. Un climat qui a causé beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Donc ça, c'est le climat qui règne au pays là-bas. Les images comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ici, là? Il y a pas trop d'images comme ça que je reçois sur WhatsApp. Et hormis ça, vous avez quoi d'autre ici? Vous allez juste écouter ce truc-là. Écoutez ce qui se passe dans leur... Les conditions de vie des Brazzavillois demeurent vraiment préoccupantes. On se croirait dans une bourgade alors que nous sommes dans la capitale de la République du Congo. La configuration des habitations n'a pas beaucoup changé dans les quartiers populaires depuis les indépendances. De Makelekele à Bakongo, en passant par Mongali, Potopoto, jusqu'à Wenze et Talangai,
La plupart des toilettes sont encore des petits endroits entourés d'étoiles ou des enclos en briques avec une fosse parfois bordée de ciment ou disposant simplement d'une marche en bois. Donc ça, c'est la République là où il veut donner, il demande des papiers aux gens, hein, des trucs aux gens. Maintenant, face à sa déclaration tapageuse, il exige des pièces d'identité. Les Mboshi, chaque Mboshi là-bas, quand on demande à M. Niele, à l'autre, il y a une pièce d'identité, ben, on a M. Niele, M. Niele, à Kokonanga, M. Niele, à Yébani, M. Niele. Chacun d'eux là-bas, un Mboshi, en moyenne, il peut avoir 3-4 pièces d'identité pour lui tout seul. Vous avez ici l'exemple, ici. Une seule personne avec 3 pièces d'identité, un Mboshi, les infiltrés comme d'habitude. Onda et Keka, Kega, c'est toujours lui. Ondel Kanga, c'est toujours lui. Ondo, Léon, c'est lui. Ça, c'est votre drapeau vert, jaune, rouge. Donc, le climat qui règne au pays, là, avec, sans compter, vous avez encore quoi ici, là? Ça, c'est ce qui s'est passé. Regardez un peu les dégâts. Il y a eu beaucoup de morts, hein? Les dégâts, les infrastructures, tout ça. Hein? Les dégâts, je vous ai montré ça la semaine passée. Les dégâts sont encore là-bas jusqu'à présent, permanents. Hein? Un chaos généralisé sur toutes les formes, et toutes les formes possibles. Hein? Vous avez quoi encore ici là? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Hein? Il n'y a que ça depuis la semaine passée. On écoute les audios, vite fait, avant de continuer ça ici. On va frapper encore Mboulou, on n'a pas fini avec toi. On n'a pas fini avec toi ici. Les Mboshi, ils sont bizarres, hein? Ils sont vraiment bizarres. Ils sont vraiment bizarres, les Mboshi. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On écoute, on commence par attaquer les audios. C'est-à-dire que, avec, vous savez que tous ces dégâts qui ont eu là-bas, ça a occasionné beaucoup de veillées. Dans cette loi-là, il y a une manifestation là, c'est-à-dire qu'il veut même étouffer les veillées parce que ça fait des dégâts. Et derrière ça, ils veulent tuer encore les jeunes, comme d'habitude avec l'opération Bata Bakoli. On écoute un peu les réactions. Monsieur Mboulou, oh monsieur Nini Okozwa, et où tu wapi? Hein? Donc, Bino, on a eu l'eau à Rosalate. Bino, on a eu l'eau. Ma cambouébele à Rosalan. Ma inondation, il y a Batobo, il y a Koyaka, il y a Koufara, il y a Maya, il y a Mvula. On a eu l'eau Batoba Koufi. Bon loba li kamwana te, ya ba inondation, bon loba te, yo ya kon loba pisan na kambo kake ba kad d'identité, et ke na Congo, bo peske ba kad d'identité, po mota azwa kad d'identité na Congo, il faut oye ba moto. Il faut toujours le pied ma de soa ban, po non zwa kad d'identité. Ya li pasi, bas wana ba kad d'identité kuna na Congo te, hein. Pesa, soko dingo sa mesure wana, pesa ba to ba kad d'identité ya gratuit. Pas yo ya kamta mesure wana la lu la muki o ya wotwa mesure wana wa makambo ya lati ya lori ya kala lori ya kala se lori ya kala bin bo bebe simboka bwana makambo ko sala te bo ko luka kaka bo luka kaka ba jeune bo te ngi na kota boloko wana kuna so ba ba ponche na bino wana ba ko mo luka mena mo sala bo wa zo mbongo te ba yaka noki noki wana hein ba ile tia ba ponche na bino wana ba si mo sala wana ba ko so vrai mbongo ko ba simba ka ba jeune ngana. Donc, à partir de 21h, ma maman va te faire un peu de tuer na bouton, na va s'en faire un peu d'identité. Donc, quand on va te faire un peu de boutique, on va dire, mais donc, il comme une. Donc, quand on vit sur la Brazzaville, il faut qu'il y ait un peu d'identité. Mais il y a vraiment boulot.
Mais yo sasu, wana yo moto pese ordre wana mbudwa ya ko ndoko makambo abo vraiment ya makambo mabi. Hein? Ba jeunesse bon di mama makambo ba card d'identité bon di mangote. Mais bon. Ça c'est on parle ici en lingala pour que eux ils comprennent leur connerie là. Hein? On vous parle en vos langues. On vous parle en vos langues. Toto yeb sabina ndinga na bino. Po bazairo pe ba yoka. Makamboza parce que tant que l'examen na lingala. Makambo tozo yoka kakuna. Bino pe bazairo bozosala bozosala ngo. Makambo la pièce d'identité on. Eza boza e belé kuna. Boya ka voter kuna. Boza e belé. Ti même na ba musicien na bino. Bazo ya kozwa ba mbongo kuna to ucho yoka moko na bino kuna ba ndi otonga ba ndako e pa biso. Moko na biso ya ba Congo, biso to lo ba ndinga na biso. Moko bi tcha biso pandili kolo. Na lo ba teza mabe na, na lo ba bazairo. Lo ba Metala ndenge to komi kuna biso nyoso. Barande epai, bakongole epai. Ozomona bango mboka moko. Oye, arrêtez ça, les gens. Et Mbolou, il vient. Yanke Moucha Nzenz. Il est pas mboshi, il vient de l'autre côté là-bas. Kinshasa là. Vous voyez? On parle ici en lingala ici. Il ne faut pas dire ici que vous n'avez pas entendu ce qu'on entend de vous dire ici. Et même d'ailleurs, vous là, vous n'êtes pas capable de parler nos langues. Mais c'est juste pour vous montrer la grandeur de l'esprit Congo, parce que si on vous parle en lingala, parce que nous les Congos, nous avons contribué dans cette langue-là. Parce qu'il ne faut pas oublier ici là, que c'est le lingala Yamakanza. La langue des Mongo que eux y parlaient. Donc le lingala, il y a l'État, est un mélange de Kikongo, il y a l'État, et le lingala de Makanza, la langue des Mongo, qui a donné le lingala, il y a l'État, que vous ne prononcez pas lingala, il y a l'État, mais vous dites moi lingala. C'est un mélange de Kikongo et de la langue des Mongo. Lingala, il y a Makanza. Ça, c'est la langue des Mongo. C'est pour ça que vous voyez que pour la plupart des chansons célèbres en lingala, les meilleurs musiciens qui ont chanté en lingala sont tous des Bakongo. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est à vérifier. Vous vérifiez, c'est la possibilité. Vous avez voir Luambo Makiadi. Vous entendez? Donc, il n'y a rien. Vous comprenez ça? Donc, on vous explique ça ici. Tous les dégâts que les Mboshi sont en train de commettre là-bas. Maintenant, nous avons eu aussi un chenapan. Un chenapan, je ne pense même pas que je vais parler de lui aujourd'hui, mais je vais quand même dénoncer certains points que je vais évoquer ici face à ces débrasistes-là. Si j'en parle ici, c'est parce qu'il faut qu'on puisse élever certains jeunes Congo qui sont encore dans la bêtise inerte de toutes ces conneries-là. Que nous avons des jeunes Congo qui écoutent encore certaines personnes qui sont dans cette république une indivisible. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'est un jeune politicien. Je n'ai pas voulu jamais parler de lui. Mais je veux parler de ça parce que je vais indexer quelque chose ici. Il s'appelle Gavé. Gavé, il s'appelle. Il faut le taguer là-bas. Petit Gavé, faites-le rentrer ici. Faites rentrer Gavé là. Il rentre ici. Nous allons écouter un peu ces élucubrations. Parce que jusqu'à présent, toutes ces conneries qu'ils ont fait, libérer, machin, pour moi, c'est une comédie. Et vous avez remarqué, je n'ai jamais parlé de ça ici. Ça ne m'intéresse pas. Hein, parce qu'il s'agit des peuples ici. Là. Mais face aux élucubrations de Mboulou, ce dernier s'est permis de prendre la parole. Je ne veux pas le projeter, je veux juste faire écouter ses dires. Je n'ai pas l'intention de le projeter ici. Hein. Parce que Petit, fais attention toi, Petit. Donc, ce dernier se revendique du Niadi ou de la Lekoum. Hein.
se revendique Congo. Et je vous montre, je vous fais écouter les propos de ces petits vendus qui se prétendent être Congo. Ces petits vendus-là. On écoute un peu ces élucubrations. Écoutez très bien. Moi, je veux commencer par dire... Attendez. C'est où déjà? Pas le volume encore. Okay, c'est le volume, voilà. Vous en avez écouté un peu ces élucubrations. Et comme d'habitude, les débrasistes... Tout citoyen congolais... Écoutez bien ces élucubrations. Surtout par la réaction... Écoutez. A déclaré une citation du philosophe Jean-Jacques Rousseau qui disait « Quand un peuple n'est plus capable de défendre ses libertés et ses droits, ce peuple est mûr pour l'esclavage. » Et je vais continuer en citant la Constitution du 25 octobre 2015 dans son article 22. Il va continuer en citant la Constitution du 25 octobre 2022. À son article. Tout citoyen congolais a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. C'est écrit noir sur blanc sur notre constitution. Il dit tout citoyen congolais a le droit de marcher librement sur le territoire congolais. C'est écrit noir sur blanc sur leur constitution. Leur constitution. Voilà, c'est ce petit Gavet-là qui était soi-disant en prison. Là où il y a des constitutions qu'on respecte, lui, on l'avait mis en prison. Voilà. Vous voyez, non? On écoute ce petit-là. Mais moi, je suis beaucoup plus surpris par la réaction de nos citoyens. J'ai comme l'impression que nous avons le peuple le plus, permettez-moi l'expression, mais le plus ignorant des lois du monde, dans le monde entier. Donc, voilà ce petit-là qui sort là, qui vient raconter des bêtises, que nous avons le peuple le plus ignorant, ils connaissent pas les lois. La constitution dont il parle là, une constitution criminogène, cette constitution qui a causé le référendum, qui a tué beaucoup de gens, qui fait même partie des opérations. Ils ont oublié que cette constitution a causé des... C'est-à-dire on ne peut pas l'accepter. C'est la même constitution même qui a fait que... qu'ils ont trafiqué là pendant les élections. Là. Lui, il sort là, il a cru que les autres ont oublié. Et les autres sont là, quand ils sont en train d'applaudir. C'est juste pour vous dire, vous là, qui êtes dans la République une et indivisible. Si vous êtes en Congo, vous êtes congolais. Vous êtes congolais. Si vous êtes congolais, vous êtes congolais. 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 Même si Batman se donne, il y a un coup de tribaliste, il y a un talent avec vous. Il s'agit de la vie des gens ici. Vous comprenez ça? Parce que nous sommes un patrimoine de l'humanité. Ça veut dire par là qu'on n'appartient pas au Mboshi, on n'appartient pas à je ne sais pas, on appartient à Dieu comme tous les autres ici-bas. Donc nous avons le droit d'exister. Donc, eux, ils ne peuvent pas venir là, nous déraciner. C'est comme si on prenait des herbes, on est en train de déraciner les herbes, ils veulent se planter. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous comprenez ça? Donc, on empêche les gens d'exister sur la terre. En faisant ça, quand vous imputez les Congos de chez eux, en disant qu'on va les amputer de là, pour prendre leurs ressources naturelles. Mais ce que vous ne comprenez pas, quand vous nous imputez de là, les ressources naturelles là fonctionnent avec nos ADN à nous. Donc même si nous on quitte là et que les ressources naturelles ne fonctionnent plus correctement avec nos ADN à nous, tout ce que ça va faire, c'est vous causer des ennuis. Parce que vous allez vouloir en prendre, vous allez vouloir en prendre, vous allez vouloir continuer à chercher, à réfléchir avec ça. Ça va vous créer des désordres. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent avec les ressources naturelles que vous avez là. Vous avez des problèmes. Et ce que ça fait, ça cause un débalancement naturel.
Donc, ce qui se passe, c'est que ça bouleverse l'ordre naturel des choses. Mais vous savez ce qui arrive quand tu bouleverses l'ordre naturel des choses? La nature revient toujours au galop. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe avec les moches. Je veux couper ça. Ceux qui veulent aller écouter ce gavet, allez-y. Mais c'est pour vous faire comprendre que la constitution qu'ils veulent faire respecter, c'est une constitution criminogène. Donc, c'est l'esprit de la lettre que je vous ai toujours dit. Que les choses, pour se réaliser, il faut les écrire. Donc là, ils essaient d'imposer quelque chose qu'ils ont sacrifié des choses avec, des morts. La preuve même, la même constitution, la même lettre, c'est celle qui a tué par Peggy Colella. Et ça, c'est le petit là, que soit disant qu'on avait arrêté, qu'on avait manqué de droit, qui vient parler de la constitution. Et qui explique même que quand il est parti, on l'a mis, on l'a mené, tout ça, sans qu'on lui lise ce droit, allez-y, rentrez chez vous. Mais toi, il paraît que tu es là. Pourquoi tu n'es pas resté là? C'est ce petit là, qui se revendique du côté du Niadi ou de la Lekoumou. Comprenez? Donc, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça, ces gens. Au niveau de la Bouenza, de la Lekoumou, au niveau de... Donc, tu entends seulement des gens, parce que c'est devenu leur souffle, douleur. Hein. C'est les BMBL et la RI, tout ça. Quand tu vois que, ah, toi, tu es trop temps d'accuser les BMB là-bas. Il n'est plus BMB, il est devenu Mukenge. BMB Mukenge, il est devenu. Il n'est plus BMB, c'est maintenant Mukenge. Là-bas, chez les Lari, là-bas, si c'est un peu, ça chauffe là-bas. Ah, on n'est plus Lari, on est Sundi, on est ceci. Mais c'est bien tout ça de savoir. Vous voyez? Donc, le souffle douleur là-bas, c'est les BMB, les Lari. Donc, c'est les noms qu'ils ont choisis. Ah, c'est les bon, c'est eux deux, ces deux ethnies-là, c'est les boucs émissaires. Ce qui se passe avec la demande des pièces d'identité de Mboulou, qu'est-ce que Mboulou veut faire? Sachant qu'au niveau des départements ou au niveau des États de la Fédération Congo, ils n'ont pas distribué des cartes d'identité. Donc, en faisant cela, ça va les permettre d'attraper des jeunes comme d'habitude hein, et tuer. Parce que là où ils sont là où on se parle aujourd'hui, tout ce qu'eux, ils cherchent, c'est le sang. C'est-à-dire que couper court des vols, quand ils volent l'argent là, c'est pour vous mentir, vous payer avec votre propre argent que eux, ils prennent pour vous acheter votre sang. Eux, ils ne peuvent pas vivre là-bas sans le sang. Retenez ça bien dans la tête. Baou, balen kuvan ve na basi. Toi tu as bêtina. Si bakun no meng ve. Baka na sa tu as menga. Baka na sosa ba menga. Baka na sosa kufwa banya beno. Ba je na bet. Ben kuwaya bien. Le motif de carte d'identité, ce n'est pas. Oh non, c'est tuer. Ils ont besoin du sang. D'après ce qu'on a entendu là-bas, Sassou avait promis, je ne sais pas combien de dards à remettre là-bas. Mais les âmes là, c'est les âmes de qui? De toi et moi. Là. De vous, non? De vos enfants. Est-ce que lui, il a le droit de donner les âmes des gens ici? Est-ce que ça l'appartient même? On a déjà dit que l'affaire là s'est fermée déjà, depuis longtemps. Mais eux, ils ne se sont pas arrêtés là. Parce qu'ils veulent continuer les opérations. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des associations au niveau de la Fédération Congo des Terres. Ils ont mélangé les BMB, les Vili et les vendus dans ces associations-là. Ils sont en train d'aller dans les maisons, faire du porte-à-porte en ce moment pour dire que non, il ne faut pas écouter ceux de la Fédération Congo, Maturin travaille, en train de donner de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Derrière, encore, comme vous savez comment ils sont, ils mettent des jeunes qui draguent les filles dans les maisons là où ils vont et continuent à commencer à les grossir. Ils n'ont pas arrêté leur manœuvre, ils ne veulent pas comprendre. C'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment dans les associations.
Vous comprenez ça? Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, en tant que gouverneur de Mpanga, écoutez bien, même quoi bien. Policier inke banda. Kutsos ba mikando babaiki. Yaku bula, yaku yoka. Yaku yoka. Benawa. Ba peste peignons tout. Ya ba boire la fédération. Yaku yoka. Si met kuwa kako. Ba me man kutsos ba livre. Ku yok ba peste peignons tout. Yok ba peste peignons tout. Yaku yoka, yaku bula. Benawa. Ma cocktail molfeuf, tiana tia. Si on voit seulement dans la fédération, on a commencé à demander les pièces d'identité là-bas. Vous me brûlez chaque policier. Et si ma policier qui a eu là, ma pièce d'identité, elle qui voit dans le secteur de la bêtise, vous reconnaissez ces policiers photographiques, tout, tout, vous nous envoyez les photos. On termine avec. Moulou, il nous a fait faire des problèmes en RDC à cause de eux. Et les opérations Mbate à Bakolo, tout ça, c'est lui hein, qui avait ordonné ça. Vous avez vu peut-être Ndenge et tout ça, mais Ndenge, bon, c'est le chef de la police, il est le coordinateur, mais c'est lui. C'est un bon. Tala, Ben, Bête, Kuna, Bête, que Dieu avait un problème là-bas. Entre nous là-bas, Bête, mais bon, c'est ma maman, Bête, déjà. Maman, il y a un et quel diable. Ben, à donc, quel que soit département, il va me quota. Si on voit des demandes là-bas, ça veut dire que même encore, comme ils ont commencé à faire les jeux, il y a soum-soum, faire des associations pour rentrer dans les maisons des gens. Ben, Mamboche, à partir d'aujourd'hui, il y a quota là-bas. Si vous voyez quelqu'un là-bas dans les associations qui vient dire oh, là-bas, la fédération, il y a Koubingisien. Et vous, les gens des associations-là, attention à vous. Attention. Pardon. Ce que nous on fait ici, nous avons droit à l'existence. C'est ça qui est la vérité ici. Donc, les policiers, ma policière Benina, si même tel policier, Mosikuna, c'est-à-dire... Mbila ni yagwa lumwini kwa itakwe lome makati identite. Mbila ina ya yoka. Ya yoka. Ya yoka. Mbila ina yoka. Pespe zazan teni yoka. C'est-à-dire que si ils essaient, tous les pespe, parce que vous devez comprendre une chose. Donner la loi, c'est une chose, mais les policiers qui sont dans la police, là, en général, c'est pas des Congos ou ce qu'ils ont appelé les Congolais. C'est tous des étrangers. Vous comprenez ça? Et quand ils repèrent, c'est l'opère la nuit. Donc, je ne peux pas savoir. C'est tous des étrangers. Donc, les opérations de demande de pièces d'identité, c'est une façon d'infiltrer des gens dans les quartiers de la fédération. Que ce soit en Djindji, que ce soit en Kaï, que ce soit en Ludim, partout. Ils veulent infiltrer. Parce qu'ils veulent éviter que les jeunes, certains jeunes, puissent signer la pétition. Et il ne faut pas oublier que les bateaux de Mboulou sont à quai. Donc, quand ils vont prendre les jeunes là pour les tuer, c'est aussi une façon pour eux de faire le trafic d'armes, trafic de d'ossements humains, trafic à Menga. Bakena sa tu as Menga. Menga ko PSV. C'est tout. Hein? Donc, la surveillance, pour quel bois là, pour vingil bois là, il y a quelqu'un qui fédération VTV, il y a quelqu'un qui comment on appelle ça déjà? Conseil fédéral. Ben aussi, il y a que Boal, mais pèse bête déjà. Ben Zab déjà, Koun bête l'el noan bête, y a bête, entre bête. Donc, il y a que Mam, il y a que Kengir Boal. Ben Atala. Mais que Mam, il y a un Kélé, donc il y a Tala Moshi, il y a un Kanga déjà, un Kélé déjà, de loin, il y a un Talingé, aïe, mon chai, bébé. Mais, comment dire, Koun bête? Il y a que Tala bête, il y a que Tala bête, c'est pas besoin, c'est pas être tribaliste. Il y a que Boal, il y a un Moussi. Il y a que Mam. Donc, si c'est ça là-bas, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais je ne veux pas monopoliser l'appareil, il y a pas mal de trucs à faire ici.
Je vais prendre un break, hein, et puis nous allons lire les commentaires, on va ouvrir le téléphone. Hein. Je pense que ça va mieux pour tout le monde. Comme ça, on va un peu se reposer. Nous allons écouter Épée d'Azur. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson-là. Je ne sais même pas où je l'ai mise, là, déjà. Épée d'Azur, qui s'appelle... Voilà. Publicité, les gens, on revient pour lire les commentaires et ensuite nous allons ouvrir le téléphone. PS TV pour toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PS TV, nous sommes auprès de vous. Salut à vous. C'est comment vous avez promis la transparence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous venons là de terminer une autre compilation. Donc là, vous avez donc les résultats des compilations par rapport à ce que nous sommes en train de faire de la pétition. Là, vous aviez des fiches que nous recevons à travers les emails et nous avons des fichiers hein, que nous avons donc sur la base de données. Tout ça, ce sont les pétitions. Vous voyez, à chaque numéro, par exemple, cette fiche, là, vous avez la fiche 649 et vous allez donc sur, la, sur le fichier Excel, vous allez voir la fiche et vous allez voir le nombre de signataires. Sur la fiche de pétition, vous avez 6217 qui s'est ajouté, les gens qui signaient par la fiche, et en ligne, il y a 42 qui s'est ajouté après le 19 janvier 2022. Donc au total, on peut dire, après les derniers décomptes que nous avons réalisés au 19 janvier 2022, voilà, après le 19 janvier 2022, il y a 6000 Congos, 6259 Congos qui s'est ajouté. Et donc, pour un total à ce jour, 22 octobre 2022, un total de 34 264 signataires de la pétition. Continuez à signer la pétition USK-FK. L'autodétermination des peuples Congo demeure l'unique solution pour notre survie. Avançons, avançons. Avançons vers la victoire. Vive la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. N'écoutez pas du bruit, car le Père est là. L'envoyé de Dieu est Bella. Yes, Alaya. Moi, je Bella, moi, je Bella, moi, je Bella. Je vais tuer, moi, je Bella, moi, je Bella, moi, je Bella. Je vais écraser, moi, je Bella, moi, je Bella, moi, je Bella. Je vais mater. Quand la tête est là, les jeunes ne portent jamais le chapeau. Papa Bichou Bernard, écoute ça. Do it.
Malibu, frais déterminable. Max Service, King Monance, Yaya Koyo Karel, section Proof, section Idriss Misabi, la zombie de la guitare. Je veux voir dans les idents. Yes, ça. Y'a belle la dazoura, la moyenne de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Y'a belle la dazoura, la moyenne de Dieu. J'ai mal au dos. Dans la ville, la fouette est patiente. Choba la goma de la mama doua. Y'a belle la dazoura, la moyenne du père. Créa d'or, y'a ne pas perdre de père. Ça n'est même pas de mettre ma mi papa. Ça y'a pas d'aïe, pas d'aïe, vraiment pas son côté. Ça fait de vraiment pas ça. Y'a pas de l'aïe, de la masse. Y'a belle la dazoura, ni d'aïe. Y'a pas de mes avoir rebâti. Le petit, y'a j'ai fait par obé. Y'a le propre, ma gagne. Y'a pas de bonne, y'a pas de bonne. On va lire les commentaires ici. On va lire Bakolo Bela Bino, téléphone à Zako pour Mamawa. Bakamouza non est belé à Moulou. Téléphone, Basi Bapongolio. Nous avons ouvert le téléphone. Mettez mes ouvres le téléphone. On va mettre que tang, maman. Il y a que Tala, mettez. Mais Tala, maman, chabet. Oui, un long au cac, na ena, et baïki, baïki. On a vu na maman. Na vuna baba ben mi tala ba oh menit singa gzoa photo na yan fonga nga yok photo yin ba yemba futa ba cha ma mal chance pas ya le bateau là je veux jeter ça partout sur WhatsApp partout voilà des gens comme ça hein c'est pas sérieux c'est à dire que nous sommes pas là pour jouer avec vous. En ce qui me concerne, moi, hein, je parle de moi ici. Hein, j'ai donné et je donne tout ce que j'ai hein, du fond de mon âme. C'est-à-dire que j'ai même mis mes parents, ma famille en jeu. Donc, vous croyez que moi, je blague avec vous. Et je suis là pour les terres. Pour qu'on soit libre là-bas. Donc, parmi vous tous là, qui parlez dans la République, que ce soit les moches, il n'y a personne qui va dire ici que Kaï, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour faire du mal. Kaï, ce qu'il veut, c'est que ces gens soient libres. Est-ce que je mens? Donc, tout le reste là, pour moi, n'est que du brouillard. C'est-à-dire que s'il fallait qu'on dise, bon, on stoppe tout, on recommence. D'accord, vous n'allez plus me voir parler, raconter des conneries ici. Mais nous allons y arriver et nous y sommes là déjà parce que je vois hein, beaucoup de balbutiements là-bas, comment on va appeler cette expression en français là. Vous bougez là-bas, Nicole, t'as quoi Ninga Neko? Et puis boulou bien pam pam, yuma ngaya. Ngaya, ça veut dire que toujours en train de coller les gens. Les jeunes font des chansons, ils voulaient toujours aller s'incruster. Tchakomananga, tu dois mettre mon nom dans des chansons. Pour dire à tous ces Congos-là qui chantent là-bas, ils doivent mettre les noms. Oui, ils doivent mettre les noms. Mon enfant a bien, faut boire, n'importe quoi. On est en train de coller les gens.
toutes les chansons, presque la moitié des chansons, il n'y a que le nom des gens là. Et vous êtes content. Tout ça, c'est pour mettre ça dans la tête des enfants qui vont naître pour dire qu'eux, ils ont toujours été là. Quelle idée saugrenueuse. Mais des idées saugrenueuses comme ça. Une idée saugrenueuse comme ça. Les faux Congo et traîtres circulent toujours. Ils sont en train de circuler là-bas. Être Congo, ce n'est pas de nom. Ce n'est pas de nom seulement. C'est de l'esprit. Ouais. Téléphone. Ah oui. Mais comment? Viens mon coup. Comment? Pourquoi va-t-elle viens mon coup? Bonsoir, Tapé Dimkaï. Mettez-moi 5 sur 5. 5 sur 5, il n'y a pas de problème. Voilà, top. Exactement. Comment vous allez? Comment tu vas viens mon coup? Non, on est bien, nous sommes au courant de tout ce qui se passe au pays. Nous sommes à jour. À jour. Les nouvelles, c'est bon, comment? Qu'est-ce qui se passe au pays? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les tu as parlé des associations, là. Oui, tout à fait. Qui passent de maison à maison. Ce n'est pas une histoire fondée, mais c'est une histoire que j'ai vécue, que je suis en train de vivre. Je dis à tout le Congo, bon, j'ai oublié à vous saluer. Mbotezé, ne venez pas au Congo, pardon. Parce que situation, ça me trouble un peu là. La situation là me trouble un peu là. Donc, le royaume, bonsoir. Maman Olga, bonsoir. Tata Gervais, bonsoir. Tata Pougui, le grand patron, bonsoir. Tata Dim, bonsoir. Et tout le monde, le Congo, bonsoir. Bonsoir. La situation qui se passe, mes compagnes, ils ont remis ça aux femmes. Ça a commencé depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. Il y a Maître Gomez qui était là d'abord. Maître Gomez était là, il avait créé des associations. L'association de femmes là dans les quartiers. C'était, je crois, avant les élections de l'an 2018. Dans cette association, ma femme aussi était sollicitée. Ma femme à moi, moi qui vous parle, ma femme à moi a été sollicitée par l'intermédiaire d'une femme vilaine. Le maître Gomez a créé des associations. Ces associations-là, ils ont pour rôle de battre campagne dans les quartiers. Ma femme, le garde pas secret, m'avait appelé pour me demander le point de vue. Parce que moi, je lui avais dit que ne faut jamais t'intéresser à la politique. C'est un danger. Il va vous utiliser. Après, c'est vous qui allez donner les missions difficiles. Ma femme m'avait appelé. Je lui ai dit non, donne-moi la personne de la personne. Donne-moi le nom de la personne. Elle m'avait donné le nom de la personne. J'avais appelé la personne. La personne a eu même des pros. C'était une femme. Elle avait construit la maison. Après, elle avait eu des problèmes avec son locataire. Pendant qu'elle dormait, le locataire était dans la parcelle. Elle voyait que les lions venaient dans la maison, dans les parcelles. Donc, le locataire avait fini par fuir. La femme aussi. Elle était dessus, peut-être que bon, il avait vu que tout le quartier était informé, il fallait qu'elle prenne le chemin de fuite pour venir en France. Elle, en France, la maison était abandonnée jusqu'aujourd'hui. Maintenant, il y a une femme qui est à côté de ma femme, là, elle était filée. Cette femme-là, elle vendait dans une buvette quelque part, elle était à la réception. Donc, le mboché atterrit là-bas. Il va négocier, il attrape la femme vient vivre avec le gars, donc la femme s'était désarmée avec ma femme. Maintenant, quand je lui avais expliqué la situation, elle a désisté. C'était pas intéressé à cette association. Maintenant, la femme là va s'intéresser à cette association. Je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé. Dans l'histoire de Corvid, là, la femme était morte. Elle était morte. Je voyais maintenant les gens venir chez moi, venir crier, Kolela est bien, Satungese est mauvais, Kolela est bien, venu, Katsungese, ils m'insultent là. Quand ils insultent, ils envoyaient la voix verte chez moi là, pendant les longs débuts. Maintenant, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti, je suis allé voir le chef de gang. J'ai dit, écoute,
Il y a un groupe d'embauchés qui vient se réunir à côté de moi là, mais il ne parle que de la politique, mais il s'insulte au collé là. Le chef du bloc est allé le voir, il a dit non, ne parlez pas politique ici là. Mm-hmm. Derrière moi maintenant, ça c'était l'année, cette année-ci. Ils ont créé encore d'autres associations. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant, puisque Maître Gomez est malade? Je sais que beaucoup de gens le savent. Mm-hmm. Il est malade, il est dans des situations difficiles là. En tout cas, il doit chier sur place, hein, Maître Gomez. Mm-hmm. Les patins qui m'écoutent là, et les Louemba Grasse qui m'écoutent là, parce que s'ils travaillent avec Maître Gomez, il faut le savoir, Maître Gomez est malade, gravement malade. Il faut que je vous le dise. Donc, ils sont venus. Tu sais, il y a le chef du quartier, non? Mm. Le chef du quartier, il travaille en collaboration avec le chef de bloc. Donc, le chef de bloc, celui qui fait le renseignement, il contrôle des blocs donnés, quoi. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recruté ma fille. Dans le recrutement, il y avait ma fille, mmh. ma première fille, dans le groupe. Moi qui vous parle, qui m'a dit ça, c'est la petite sœur, ma dernière fille qui m'a dit ça. Parce qu'ils se sont chamaillés quand les gens se chamaillent dans la maison. Là. C'est là où il n'y a pas de secret. Ça sort, non? Mmh. Donc, il m'a dit que, papa, ta fille-là a une grossesse de 4 mois. Ouais, une grossesse de 4 mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, quand tu viens dans le buvette, il mange gros, tout ceci-là. Ça ne marche pas, c'est nous-là. Donc, il est là, il mange tous les jours, il est devenu grosse comme ça. Mais où est-ce qu'il a ramassé la grossesse? C'est avec le premier copain du Nord, là. Mais non, ça, c'est un autre copain. Mais comment? Oh, mais... De temps en temps, ils allaient se regrouper quelque part là-bas. Après, ils partaient de maison en maison comme des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la campagne à l'américaine. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Non, ils faisaient des campagnes de gauche à droite pour dire aux gens non, nous devrons soutenir Sassou Nguesso, ceci, cela, cela, cela. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais lequel, quand ils partent là, c'était avec telle personne. J'ai appelé la personne là. Je lui ai demandé oui, c'est vrai. Votre fille est dans notre association. Nous faisons les campagnes dans les quartiers pour immobiliser le peuple que ne vous confiez pas à la fédération. Il faut toujours soutenir Sassou Nguesso. Ah bon? Quand j'ai vérifié, c'est là où j'ai demandé à ma fille là, est-ce que vous pouvez m'attraper le nom de la personne là? Mm-hmm. Et le nom de l'association? On m'a dit que papa, on va t'attraper le nom de l'association et de la personne là la semaine prochaine. Mmh. Donc, ma fille, elle est en grossesse. Moi, je ne pouvais pas demander à ma fille parce que j'ai d'abord mis un peu d'autorisation, mené des démarches d'abord. Tu comprends? Mmh. Mmh. Donc, moi, je t'ai toujours dit que moi, je suis connu sur les 4 coins de Brazzaville, du Congo, les 4 coins. Parce que moi, mon frère était enseignant, on a voyagé partout, je connais le Moussenjo, je connais partout là. Mmh. Sanaga, j'ai été là. Tu comprends? Mmh. Maintenant, j'ai donné la mission. Tu sais ce que j'ai fait d'Até Dim? Vas-y. J'ai envoyé 100 000 francs aujourd'hui pour mener les enquêtes, pour qu'on sache ce qui. Dès que j'aurai le nom, tu vas le publier. D'accord. J'ai même demandé qu'on trouve son domicile. Pour ma première année, seulement que les rues, les quartiers, il n'y a pas de domicile à trouver. Donc, voilà, c'est la nouvelle que j'avais. Mmh. Ce n'est pas une histoire, ça sort de ma. Pas dans ma famille, mais ma première fille, je ne veux pas dire le nom, c'est ma première fille qui est derrière le PCT, fait les campagnes pour le PCT, pour faire comprendre la population du Sud que oublier la fédération, il faut être derrière le PCT travaille bien. Mais avec ça encore, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils cotisent dans cette association. Ils donnent de l'argent au PCT. Ils cotisent et puis on leur promet qu'on va vous donner des postes dans la prochaine fois. Tout à l'heure, je crois que j'ai envoyé une femme qui faisait une déclaration à Bondi là-bas. Moi, j'ai reçu ça. Ouais. J'ai reçu ça hier. La femme là n'a jamais été à l'école. Elle faisait les mêmes campagnes à Bondi là-bas. À Bondi, c'est dans les plateaux là-bas. Voilà qu'on lui donne un test pour lire devant les gens. Il était capable de lire. Mais il a la licence de la série A. Elle a la licence A.
Regarde comment il lisait là. Je ne sais pas si tu as fait écouter ça aux gens. Vous allez rire. Il n'a même pas fini le discours là. Parce qu'il a fallu qu'on puisse couper le discours de façon que les gens ne puissent pas crier. Mais après, il y a eu révolte de gens. C'est mon ami qui m'a envoyé ça, un bateke qui est parti là-bas en vacances. Il est en vacances. Il a même assisté au meeting là. Donc, les mots là, c'est pour dire ceci. Tout ce que les Bokilo viennent dire là, c'est le Bokilo en leur. Un jour, Faïmon Nama disait que. Je me rappelle, j'avais suivi Faïmon Nama qui disait que. Numa Zalaï, là, quand c'est le suppositoire là, Numa Zalaï là, la gay là, le gay là. Quand il parlait avec quelqu'un à côté qui disait à Numa Zalaï, dis ça. Effectivement, ce que les Numa Zalaï font là, c'est ce que les gens viennent leur donner des choses écrites en papier et puis viennent lire. C'est peut-être la même chose que l'autre, Lucas a tout vu faire là. On lui informe, Lucas a tout vu séparer. Donc, comme ils ont des mémoires courtes, ils ont reçu moins de 3000 feuilles, ils trouvent que c'est beaucoup d'argent. Avoir un passeport congolais en Europe, hein, ils trouvent que vraiment il a eu le bonheur, quoi. Alors que les gens parlent des passeports européens. Voilà. Donc, c'est pour te dire qu'il faut beaucoup insister sur ce problème de campagne. Le PC a ouvert un campagne dans tout le Congo, sud surtout. Il faut voter, il faut dénigrer, il ne faut pas aimer la fédération. D'après ce que Makila m'avait dit ici, les discours de cette dame, ça se passe au Gabon, ce n'est pas à Bundji. Mais Bundji, ça y est au Gabon. Ouais, Makila m'avait dit ici que les discours de cette dame, ça se passe au Gabon. On parle de Bundji là-bas, on parle de Bundji, mon ami. Non, elle a dit ici, ça se passe au Gabon, ce n'est pas à Bundji. C'est ce qu'elle a dit ici. Okay. Mais mon ami m'a dit qu'il était là-bas. Il a suivi ça. Je vais faire une géolocalisation quand je vais regarder ça. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Tu sais, Tate Dimka, la fois passée, j'avais dit que. Comment on appelle notre frère là, qu'on avait donné du poison là. Comment on appelle Mapingu. J'avais dit qu'on lui avait donné du poison, non? Il y a des gens qui étaient venus contester, non, ils n'avaient pas reçu du poison. Vrai ou faux? Ouais. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont venus démontrer, non? Beaucoup de gens sont venus démontrer, non? Les gens qui viennent lire ces choses-là, si c'était passé au Gabon, pourquoi ils n'avaient pas balancé ça depuis? Bon, mais ce n'est pas un problème, ça. Ce n'est pas un problème, ça. On ne va pas se mettre... Je vais avoir les questions. Ce n'est pas un problème. Tu sais que... Les gens viennent contredire ce qui est la réalité là-bas. Donc, ils veulent blanchir le PCT. Donc, on connaît très bien que le PCT ne présente de camp là-bas. Tu sais qu'avant que j'ai causé avec quelqu'un, je l'ai piégé seulement. Toi, pour avoir la licence, le baccalauréat, combien tu peux donner là? Je l'ai piégé à Brazzaville. Ils vont marcher là. Je l'ai piégé pour voir réellement. Parce qu'à un moment donné, il faut piéger les gens là-bas. Il m'a dit ceci, non, moi, pour avoir le baccalauréat, même si je ne suis pas dans la classe, il faut donner maintenant là 250 000 francs CFA. Bon, quand tu vois maintenant dans leur test, ils disent que le baccalauréat est devenu difficile, on ne le donne pas, on ne l'achète plus. Dans leur machin, dans leur discours, là, ils disent qu'il n'y a, pas la magoule. Mais il faut connaître le réseau. Maintenant, après, il m'a dit ceci. Si je donne aussi l'argent, si j'ai sous, si je gagne, c'est un problème de chance. On ne peut pas te rembourser de l'argent. Donc, nous tous, nous fouillons les informations là-bas. Mais les informations que moi je donne, j'ai toujours eu des gens qui m'informent. Non, mais pour ça, il n'y a pas de souci. On ne va pas rentrer dans tout ça. Là. C'est un commentaire qui est là. Et puis, bon, voilà. Donc, je vais laisser le téléphone. Je vais un peu lire quelques commentaires là. Et puis, merci beaucoup de bien me couper. Vous voyez un peu l'apothéose au niveau des Mboshi là-bas. Mais bon. Alors, Corinthien King, comment vas-tu? Bonne année en passant. Bonne année. Qu'est-ce que j'ai là? Joseph Matondo, Makila Mabe a raison sur Gabon, c'est pas à Bundji. Ok, tout à fait.
éléments contradictoires, donc c'est du bon. Qu'est-ce que j'ai là? Adolphe Malongani Mbotezako. Vigilance, Moulou ordonne un confinement. Donc Moulou, apparemment, vigilance. c'est-à-dire que Tamboula Namonioko, c'est un couvre-feu. Oui, oui, c'est ce qu'il fait. Un couvre-feu. Il passe par des voies. Mais ils ont besoin du son. Hein, c'est ça le détail. Donc les gens savent s'ils ont besoin du son. Ils ont besoin du son. Jemel Djaroun. Moulou, c'est un malade. Ah oui, un vrai malade. Mais il n'est pas malade. Regarde, il n'a pas étudié. Exactement. Nous devons redoubler de surveillance de nos quartiers. Dans nos quartiers, tout à fait. Merlin Nyombo. Peuple Congo, ouvrez vos yeux. Leur délire des cartes d'identité est programmé uniquement dans le sud Congo fédéral. C'est ça. Vous savez, si vous avez remarqué, ils n'ont jamais fait le recensement. Pour la simple raison, ils ont tué des gens là-bas. Donc, si on fait le recensement, on va savoir qu'il y a des gens qui manquent à l'appel. Vous comprenez ça? Il ne peut pas, il ne peut pas. Les mochis sont dangereux. La marque du serpent. Ah oui, la marque du serpent. Notre peuple doit apprendre à venger ses victimes. Vengeance pour vengeance. Tout à fait. Le net, c'est celui. Tout à fait. Le net, c'est celui-là. Papa. Tout à fait. La République bananière du Congo, avec ses travail après la mort, c'est des mochis, ne changera jamais. Ils ne changeront jamais. Mais vraiment jamais. They will never change these people. Ils ne vont jamais changer. Kerry Ferrolia, bonsoir. Bonsoir à toi, Kerry. Pour le chaos qui règne dans ce Gondwana, le prétendu ministre ne dit mot. Sa bouche est bien cousue. Mais quand il s'agit de leur Bokonji, un pouvoir sans pouvoir, alors là, on entend les gorilles hurler. Ah, pauvre, qu'as-tu fait pour mériter ce sort, hein? Oh là là. C'est juste quelque chose des gens qui n'ont pas réalisé qui sont-ils. Quand tu sais qui tu es, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. C'est eux qui traînent les pattes. Mais de toute façon, quand Dieu a dit à Noé de rentrer dans l'arche, ce n'est pas tout le monde qui est rentré. Donc d'autres peuvent rester dehors, il n'y a pas de souci. On est là, nous, on continue. BP, bonsoir. Pourquoi voulez-vous parler leur langue alors qu'on lit qu'eux, ils ne vous calculent même pas? On n'a pas besoin de parler leur langue, on doit les expliquer là-bas, leur langue. Parce que nous aussi, on a mis notre intelligence dedans. Donc, on doit les expliquer parce que nous aussi, on avait mis ça dedans parce qu'on voulait comprendre ce qu'eux disent. Mais eux, ils n'écoutent pas nécessairement toutes nos langues. Hein. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Faut les entendre parler même leur propre lingala, les mochis. Tu sais que c'est pas, tu sens que c'est pas chez eux. Même pas leur, c'est même pas chez eux. Quand tu entends, yo chambé, ya jambé, ouais, yeah. Oh là là. Ça dit que le mochi, c'est la langue la plus sale du monde, quoi. Non, mais la langue mochi, c'est une sale langue, quoi. Pardon. Bonsoir à mon nom, comme mon bébé. Les poêles, tchalala, voilà, voilà. C'est-à-dire que c'est une langue qui n'a aucune connotation internationale, le mochi. Une langue qui n'a aucune connotation internationale. Aucune connotation internationale. Et c'est eux-là qui n'ont pas de langue qui a une connotation internationale qui veulent nous empêcher, nous, de parler notre Kikongo à l'État. La langue Kikongo à l'État, c'est une langue scientifique. Une langue avec laquelle tu peux créer les choses. Par exemple, quand tu dis Mukena Mpini. Mpini, c'est la formule qui contient la définition de ce qu'ils ont créé, là, les avions furtifs. Là. C'est créé à partir de la formule du Mpini, qui veut dire disparaître, apparaître quelque part. Mpini, mais nous sommes pas Mpini. La formule des avions furtifs. Vous voyez,
à langue, hein, langue, une langue vraiment hein, très intelligente, qui Congo. C'est-à-dire, tu ne prononces pas les noms comme ça, les mots comme ça. Non, non. C'est très réfléchi. Hein? À la différence du moche. Les dja, les noirs. Les noirs, les tongandako, les imamongo, les ta. Oulolo. C'est normal. Ça ne peut pas évoluer, c'est une langue de voleur. Ils volent tout, ils volent tout. Même dans nos chansons, ils veulent qu'on les écoute, qu'on parle d'eux. Oh là là. Faut vous gêner, faut vous gêner. Le peuple Congo se meurt gratuitement à cause des mboshi. Là, mais c'est comme on a dit. Hein. Il n'est plus question de vous donner ou de donner les têtes aux gens. Ça, c'est fini, ça. Ils veulent nous empêcher, nous, d'exister. Alors que nous sommes un patrimoine pas national, un patrimoine de l'humanité. Nous avons le droit à l'existence, comme tout le monde, comme toute espèce, comme tout être humain, comme tout être. Eux, ils veulent nous empêcher d'exister. Vous prenez nos ressources là, mais vous croyez qu'on va nous déplacer. Mais nos ressources naturelles là vont avec notre ADN. C'est ce que vous ne comprenez pas. Chaque territoire, là où on met des gens, vont avec leur ADN. Et ce sont ces choses-là qui font qu'on puisse être une multiculturelle et tout ça. Et ici, avec l'intelligence que vous inventez, vous faites des grandes choses. Mais on a l'impression qu'il y a des gens qui sont juste là derrière en train de regresser l'humanité, quoi. C'est comme l'embauche. Que des titres à la con. Meilleur vœu à toi aussi. Makosi, makosi, tata mbote à tous les Congos fédérés. Allez, tous les Congos fédérés, oui, oui. Je viens d'arriver à Nyoka Kota, on est presque fini ici, là. Hein, on a presque fini ici, mais le téléphone est ouvert. Ici, on est là, Mboulou, et aux arrêts, et l'ONU. Donc, on a dit que Mboulou prépare, c'est-à-dire que eux là-bas, quand on a une télé, les baou, tchè naoun satou, ni menga mama bête, mais naoun satou. Menga bête, ma ta kengi, jila menga ya ta kengi, jila mengi, bête, ne kange ou déjà. Donc, ben aussi, qu'on ne peut ben kangia aussi. Ben atala. C'est-à-dire que si vous voyez un policier, surtout si c'est un policier que vous connaissez dans le quartier, parce que les policiers là-bas, il n'y a que ma policier qui ben zambé. Ce n'est pas des gens que vous connaissez. La plupart des policiers qui sont là-bas, c'est des étrangers. Donc, ils vont profiter dans la nuit pour infiltrer et faire le système de repérage. Parce qu'ils ont besoin. Bakena sa tu amenga. C'est-à-dire que eux, sans le sang, ce n'est pas possible. Et vous voyez vous-même, on est en train de parler de l'Afrique de liberté. Mais comment vous expliquez ça dans nos pays, par exemple chez nous, sur nos terres Congo, les commerces, c'est les autres Africains qui les ont. Même les boutiques du quartier, ce sont les Africains là qui viennent chez nous qui les ont. Beaucoup d'Africains se sont enrichis chez nous, ils sont allés construire chez eux en Afrique. Nous autres, là, les Congos, on n'a même pas le droit d'ouvrir des commerces dans des pays africains où on va. Est-ce que je mens? Donc, on voit là aussi une volonté des autres Africains qui veulent nous dominer. Ils savent très bien que l'Africain qui est là, qu'ils appellent président du Congo, il n'est pas Congo là-bas. Ils sont bouche bée là-bas. Ils ne veulent pas parler de ça. Panafricanisme à deux poids, deux mesures. Donc, nous, nous sommes seuls, les gens. Vous voyez les Panafricains là? Congolais, là. Est-ce que vous entendez parler d'eux? C'est des taches, des petites huiles. Ils n'ont pas le bas. Les voilà, là, ils reviennent ici. Là. Mais comme ils n'ont plus d'autre endroit où y aller, ils sont dans la République indivisible. Une République vouée à l'échec. Qui a échec? Mais tout Kubaya ou na contre Kanaï. Ah ouais, ouais. Na contre Kanaï. Hein. Na contre Kanaï. C'est-à-dire que Ben Saliki, Bantina, c'est pas mes bandes. Que vous va livrer en bas. Yaku yoka, yaku boula. Ba pespenyos tu yaku yoka. Yaka betmos. Ah oui. Mamoukish. Bon faso. Mbote zeno. Bani ya Congo bika muzome kwa benyos kune babone ne benyos nouvelle année en gwen même si choba ya kat me fete ve kwandi bet zab kwandi
Donc, Babou Nana a une bonne santé. Mmh. Hein? Donc, 2023 égale à numéro 7. Ah, ça. Donc, voilà. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Égale oui. à numéro 7. Ah oui, oui, oui. oui. Voilà. Peut-être que quand Bak Babou a la bête na compte Kanaï, il dit Bundu dia Congo, Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Ah oui. voilà. Ah. Makina. Ni Makina. Ni Makina. Ni Makina. Ni Makina. Ça va. Ça va, tranquille, on est là. Bien, ça va et travaille. Ah oui, je te vois souvent, ouais. hein, de temps en temps, je suis connecté, des fois je ouais. regarde après. Travaille, Benoît, travaille. Na ma papa Bernard, na ma papa Birangui, na maman Oloka. Mouke Wadia, Odio, ma Kitinda Mouné, ma maman Makina Mabé, ma frère Mingi. Donc, ça va. Ah, oui, oui. La Fédération Congo est en marche toujours. En fait, qu'il y a quatre boîtes à Nya. Est-ce que Vingraban? Est-ce que Vingraban, tu veux? Bah, on a un gabarit. Bête garantie à bête, il y a que bois la bête. Non, oui, bête. Bête que garant et bois la. Congo d'un toto. Là, nous sommes les garants. Voilà, nous sommes des fous, toto. Ah oui. On va savoir que Zonzaka, Matondo Mingi, Dieu merveilleux, continue à travailler, prier, travailler, comme on dit, ça c'est en français. Donc, Nandinga Boal, Fasso, Papa Bernard, que Zonza, Samina, Sala, Sala, Samina. Donc voilà, mon mari est au courant que ma maman vient car que bah quand nous comme quand nous quand Monsieur quand nous Zéphirin, Monsieur quand nous Zéphirin. Zéphirius, Zéphirius. Zéphirin quand nous Zéphir, quand nous Zéphilis, même Zéphirius. Je pense. Syphilis même, il y a une qui donne maladie de syphilis que man savait, donc je pense, donc bref, ma papa Marc, moi je m'en fous de parce qu'il ne me nourrit pas, hein? Ah oui, 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 That's donc le problème c'est que, le problème quel est, il y a qui va bakal yang et qui est papa Zéphirin, papa Zéphirin, hein, c'est parce que bakal boma, ils sont en train de voir les diables partout, ils voient les militaires de la Fédération Congo partout. Ça, c'est clair. Ils nous voient partout. Ils ont trop bu de sang. Ils cherchent les sangs du peuple Congo. Ils ne peuvent pas retrouver les sangs du peuple Congo. C'est maintenant, ça. Là, ils commencent à être obligés. Hein, ils commencent à confiner le peuple Congo. Papa Brel Mizonz, Papa Brel Mizonz, Kuna, Mamou Kishikent, Yaku Ngolo. Ah, pique, bête, on a un noir, mais tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de blocage, tu as un blocage. Ah, bah, tu as la vision. Bah, que y'a pas de toi là, on est bien fait. Bah, on fait bête, on a vu la Fédération Congo. Ah oui, bête, bête, en Golo, bête, bah, Congo, fait papa. C'est ça. Oh, qui sale, ben, n'a pas de salaire. Y'a pas de gêne, bah, roi déjà, bah, bon, bah, bon, année, bah, roi, mon maman Oluka, papa Birangui, papa Bernard. Nangemos papa Edim, na na frère Amunia ya Angleterre ya vieux Mukubwa. Vieux Mukubwa. Na na bonne na yandi na Miss Kinkala. Na frère Abetia monsieur Madima. Voilà parce que Wadia Kevin Madumbia donc. Monsieur Maduma Kima Beto. Na RPP aussi ma bonne yandi. RPP bonne na yandi monsieur me Kima yandi. Pepe bonne année à Yann. Il y a ma colère vive. Il y a ma colère vive. Ça, banane, banane, 20 minutes. Ah, bic. Donc, voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, le problème, c'est que. Et puis, Boulouina, mais franchement, en fait, non, papa. Si vous regardez bien, vous avez tout dit. Donc, vraiment, les frères africains, là, les panafricanistes, là, je ne sais pas quoi, là. Hein, et nos peuples Congo, vraiment, les peuples Congo doivent ouvrir les yeux grandement. Parce que les papas, les Mbulu là, ça c'est des endocolons. Des endocolons. C'est des endocolons, les Mbulu. Ils ne peuvent pas changer. Ils Jamais. Boivent le sang. Quelqu'un qui boit le sang d'un humain, même Jamais. D'un animal. Mais non, mais ils ne vont pas changer. Ça c'est des fous. Il y a que ma mambo, il y a que Bulba ou il y a que Noana, ma mambo, mais il faut les chasser. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas les nôtres. Y a rien ils ont trouvé les chers à canon, c'est nous. C'est ça. Hein? Ils ont trouvé les esclaves, c'est eux les esclaves. C'est eux les esclaves. Donc, c'est les esclaves qui sont transformés en maîtres. Voilà, les esclaves qui sont transformés en maîtres. Comme, voilà, au lieu d'attaquer les gens qui les ont emmenés chez nous, ils viennent attaquer les ayants droit. Mais c'est pas possible. C'est ça. Donc, les gens-là, non, mais ils pensent qu'on est en train de dormir. On s'est déjà réveillé. Ils vont voir. Ils veulent commander là-bas, ils veulent exiger les gens. Hein, priver les gens,
de sortir la nuit, les gens qui vont aller voir quelqu'un à l'hôpital ou bien quelqu'un qui va aller, je sais pas, il a besoin du sang, il a besoin du sang, il a besoin du sang. De 15 millions, je sais c'est pas tout, quoi. Ils ont besoin du sang. Il n'y a pas tout ça là, tout ce qu'on peut dire là. Tout ça, c'est ils ont besoin du sang. Non, on parle seulement parce qu'ils croient qu'on est bêtes. C'est ça. Eh, mais pas que ça quand la banane. Non, sans, ils ont besoin du sang, ils ont besoin de se multiplier. Ils veulent rester là, ils veulent pas quitter. Ils vont jamais quitter si on les tape pas. Il faut les taper. Il faut vraiment finir avec eux. C'est-à-dire que. Ils ont manipulé. C'est-à-dire qu'il faut finir avec eux. Je sais pas là, le petit gavé là. Le gavé là, en fait, le petit gavé là, c'est un héritage. Ça, ce gavé-là, si tu vois bien ses parents, si vous regardez bien, vous cherchez bien, ses parents doivent être les colons qu'on avait fabriqués hein, par la France. Parce oui, que non, faut que faut tu ils doivent savoir ici, là. Eux, quand ils disent que non, nous, on veut. Non, ça veut dire que nous, on va pratiquer la justice. Ça veut dire que tu es gentil avec nous, on est gentil avec toi. Tu es mauvais avec nous, exactement. Tu es pas mauvais. Donc, ça veut dire que même Dieu dit qu'on est, on est juste. Donc, ça veut dire que eux, comme ils nous ont fait du mal, nous aussi, on va leur faire du mal. C'est équitable. Donnons, donnons. Bien sûr. Ah oui, mais est-ce qu'on a le choix? Les personnes comme les Gavés là, du Niari là, ils sont plusieurs dans le sud Congo là-bas, Déjà, on va s'occuper d'eux. Oui. On va s'occuper d'eux, il n'y a pas de souci. Tous ces petits là, on va s'occuper d'eux. Leurs parents étaient les endocolons, enseignés par les colonisateurs là. C'est ça? Et les PCT là, c'est un parti des esclaves en fait. Français. Et il veut faire les. Heureusement, Dieu nous a ouvert les yeux. On est là. Dieu merci, la Fédération Congo est là. Attends, il y a là, hein? Me dire, qu'est-ce qui prouve que toutes ces personnes qui seront prises après 21h n'auront pas une pièce d'identité? Surtout qu'ils n'ont des livres plus depuis longtemps. Bon, voilà. Ils cherchent, en fait, c'est la honte. Ils ne savent pas quoi faire. Au lieu de s'occuper d'abord, ils peuvent même. En fait, eux là-bas, ils ne peuvent rien faire. Non, ils ont besoin du sang. Parce qu'ils ont eu l'habitude d'avoir du sang gratuitement, facilement. Voilà. Donc, ils ont cette habitude-là. Donc, maintenant que c'est devenu difficile, ils trouvent des moyens. C'est-à-dire que, oh, le pièce d'identité, oh, accident là-bas. Oh, c'est-à-dire qu'ils ont besoin du sang tous les jours. Ils vivent que de ça. Pourquoi Dieu nous a amené ces gens-là chez nous? Non, ce n'est pas Dieu qui nous a amené ça. Dieu nous a montré qui sont. C'est eux-là qui nous ont. Mais pourquoi Dieu nous a amené ces gens-là? Ce n'est pas Dieu qui nous a amené ces gens-là. Dans d'autres pays d'Afrique, on n'a pas vu des autres pays qui. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous a amené ça. Dieu vous a montré qui vous a amené ces gens-là. C'est la façon de parler. Ah oui, pardon. Mais c'est les Français là qui nous amènent. La façon que vous en jouez, ces gens-là, vraiment, pardon. Ah, vous êtes tellement passé. Marc est passé. Vous êtes tellement bien. Ah, jamais. Maman. Ici là, on n'en peut plus. Bambouche, c'est que la foi bétawa. Les embauches sont en train de nous tuer ici. Là, faites vite. On n'a jamais vu ça de la vie. C'est des. Oh, t'as dit le mot sauvage, non? C'est même tout. Des noirs qui tuent les noirs. Des noirs qui tuent les noirs. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. Ça, seulement chez nous. On les a amenés chez nous, ils viennent nous tuer. Je te dis, là-bas, tout appartient au West africain et tout ça. Les boîtes sardines, les jambes là-bas, les boîtes sardines. Eux-mêmes, ils ne bouffent pas ça. Les Maliens, là, je ne sais pas, les Mauritaniens, là, ils ne bouffent pas ça. Après ça, quand nous, on parle de ça ici, ils vont dire que non. C'est ça. Après nous, ça, quand on parle de ça, ils vont dire que non, les frères congolais ne sont pas bien, les frères congolais ne sont pas bien. On s'en fout. On s'en fout. À partir d'aujourd'hui, on va arrêter de dire que oh non, on n'est pas. Comment on appelle ça le mot là Il dit quoi Tribal. 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 On s'en fout. Oh là là, surtout moi. Ils ne sont pas de chez nous. Oh là là. Ils ne sont pas de chez nous. Oh là là. Ils ne sont pas de chez nous. Ils ne sont pas de chez nous. Donc, eux, ils viennent nous tuer là-bas. Leur vieux là, en train de vieillir. Maintenant, c'est leur jeune de Paris là. Ouh. Les autres là que je vois là-bas. Il y a quelqu'un dans ma vosso. Oui, Paris n'est pas pour pas, mais parce que Paris, il y a que Paris. À partir de la quarantaine jusqu'à la cinquantaine, là, ils sont en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ils ont besoin des postes. C'est ça qu'ils veulent. Mais quel poste va? Nous, on va les chasser. Il n'y a pas besoin des postes. Les postes, ils vont aller chez eux là-bas. Nous, les Congos, on récupère. Nous, on les a récupérés. Il faut d'abord récupérer les terres. Je ne les calcule même pas. Moi, je les calcule.
les enfants des étrangers là, j'ai vraiment, moi, je les aime pas. Où. Moi, je les calcule. Bah, non, moi, je les calcule pas. Mmh. Je calcule pas leur connerie là. Moi, en tout cas, bah, surtout la femme là, leur fille là, qui s'occupe de. Les, il a acheté il a acheté un conteneur de corbières pour enterrer les femmes Congo, les peuples Congo. Elle, elle va voir. Ah, elle ça. Va voir. Elle a acheté les hein? Niyand, chef. Chef, il y a corbière, une femme. Ça veut dire que les gens-là ne nous aiment pas. Ils n'aiment personne. Pas hein. Nous aimer. Ils aiment personne. En tout cas, je vais reprendre un autre appel là. Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure. Va, je vais attendre. Je vais récupérer okay. La personne. Comme ça, bon, écoute, bonne mois. Soirée, bon week-end. Et puis, que Dieu nous protège tous. Allez, ouais. Vive PSTV, vive la Fédération Congo. Ah Gouta. Oui, Ingeta. Ciao, Geta. Ciao. Allez, ciao. On est ensemble. Allez, ciao, merci. Ciao. L'appel qui a appelé, là, vous pouvez rappeler. Hein, vous pouvez rappeler. Vous savez qu'ici, c'est comme ça. Hein. Ici, c'est compliqué, ici, là. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Laisse le main, ça sort comme ça sort. Wow. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Laisse le main, allô. Ça sort, laisse le main, ça sort comme ça sort. Allô. Allô. Ah, en tout cas, ça s'accroche pas là, le téléphone. Allô. Oui. Bonsoir, maman. Bonne année. Bonne année, na ben nyon soto. Quoi passe, maman? Bonne année. J'espère qu'année y a que vous en dire beauté. J'aime tout le maboko. Amen. Voilà. J'aime tout le maboko vraiment. Boile qu'on a passé, bah il n'y a pas boile. Moi, mon cousin a toujours, bah il n'y a pas de passé na boile. Parce que bah en tout cas, n'a pas de passé na boile. Vraiment, vrai passé. C'est sûr. Donc, passé, y a pas passé. Bah que libre veut, coup d'y en a passé. Alors, tandis que quand il n'a pas ça, na bon, bah il n'y a possibilité, y a pas ça là ou alors, n'a pas de bon ou akina ko kutale be bapangi ninga nakutale bapasi donc ni baba tikana dia mbongi nake yini ba yini ba te boali zola ku dia ni baba tena dia ya donc vraiment na kutana ba band sa mku dia band hein kwenda kufutana ba band sa mku dia dark band tu bakana bo jouer loterie a bao boali donc ba bao na ba de Brazil c'est ngoku ba de Brazil c'est vraiment ni baba te na kanga banjile munu muko zonza toujours dès que ben que to baba bamboshi ba o pe fo ben to be la ba parce que ni ba o batika na kukanga njile ba te na kukanga ba yini na so so même kuzi sine ni baba batika na kanga banjile ben que zonzi la ba o ve ben que zonza ka bamboshi sta ya ndia me ba ka bambongo wa mwanya ibete talaya mani me bak mbongo me bak bambongo na miss abantu nyo sutu e puta muta la like yani mosan de banani yani mosan salame ya lonta de san vani la kis bayin ka kona sos bambongo tal mun muga salaka yani la sa men bilete de pay yani ka kumbe yani ka in ka lwata bilelin in ka katula in ka lwata bufon donc voilà quoi maintenant bête italienne kubaka bambongo tout ça donc vraiment bana salima mbombo tu veux quoi vraiment mambo mbote vena bayine que tu nakutale ba vraiment besoin mbaka nakusalia que mbote tu vraiment yake bien vu donc bête que zonzi là bas de temps en temps ah pas de temps en temps c'est tout le temps pas de temps en temps que mbaka nakusalia que mbote tu veux baka na kuna ni service na babantu ve tiba musika na kusalia mena bayine ke na bo ali baka salwa fos c'est ça donc c'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire et puis bon voilà donc de la façon bete na zonza bazayiwa ou bazayiwa que zonza la bete ve ya ke kak ve kak ni ba ya kak ve ni bazayiwa le baka zonza mambe ba kuna il parle que deux baka tu baveho na ndambo kuna na ngambo kuna fosofosia ijame antuka muke wak ya munu ve parce que mon père me commande de suivre là, mon ma se suivre là depuis mon côté na que le ngomba ya mon ma se suivre banani ya news. Donc nina ba aux alentours tout ça, bat mosque zonzi là. Tout le monde ils ont les yeux fixés na
l'Afrique de l'Est. Mmh. En tout cas, tout le monde. De toute façon, l'Afrique média qui est fixée, il y a des news qui sont en train. Donc, tout ce qui y a, il y a des gens qui peuvent être en train. En tout cas, et pourtant, ils sont partout, hein, surtout les Camerounais qui sont partout, même là où je suis là, ils sont partout. Hein. C'est ça. Si vous allez voir, vous voyez, pourquoi ils sont partout là? C'est ça. Hein? Donc, bah, ils ont dit là, Kaka, Ouattara, ou Ka. Asimi Goïta. Asimi Goïta, mais ils ont dit, il y a un cas à même, comme on a dit. Quand début, vous venez suivre, bah, ouais. Vous venez suivre, bah, venez, que ce soit même que j'ai un problème là. Moi, je suis un peu plus de temps pour faire des discussions. Donc, maintenant, il y a un peu de temps pour faire des militaires et tout ça. Sinon, ils ont dit qu'ils ont enlevé. Donc, tout le monde. Ils ont dit qu'ils ont enlevé. Donc voilà, bah venez suivre ça le même y a un de vrai. Donc maintenant bah mes amis en commun nous comme nani a écouté bah nous comme bah on y a su quoi clamer en du coup na tout ça. Donc même la foot bah chez nous bah on y a que monte na quand nous voit ça que beaucoup là engema parce que nous suivons aussi dans le temps. Je suis vu ça bien engema. Bon, on s'en fout de tout ça. On s'en fout de ça, mais la raison c'est la bête v. Moi, je vois mal pourquoi ben que sont là-bas ou pas que sont là-bas. Donc, moi, pour moi, voilà. Donc, libération mon me pas mouki a une ma zone mon talaya mon metal le titre mon metal ça sur le haut c'est déjà mais vu moi c'est ma première fois donc fallait mon bag mon sombia ça m'a coûté même des euros et quelques mon me qu'on gaspille des euros et quelques na ndoki ay donc voilà donc ni mon azonza donc c'est que ça là. Si vous le membre, vous avez vraiment focus. Parce que si vous avez vu la carte, vous avez aggravé toujours. C'est ça. Donc, C'est tout. Si quand on m'a mis mais avec tout autre il y a quel mais peut-être que la vingt là va bout il y a bien il mais a oui parce que bah au bas que la vingt là ben commencer peut-être la vingt là au bas commencer alors maintenant non bah mais bébé a coupé déjà. Maman m'a changé déjà, mais comment maman va bouton? Il y a seulement un bang. C'est noté. Peut-être moi, malin, ça va, mais maintenant, quand même, il y a qu'un akonda. En tout cas, là, ils ont abusé. Il y a qu'un akonda gravé. Donc, bon, ça, c'est noté. Voilà, c'est noté. Bon, mais c'est noté. Hein. C'est bon. Bon, t'as là, il nous finit ça. T'as là déjà. Merci beaucoup. Ça continue. Mon cas, ça internet mon kuna ni mko na jua mwa problem na yao sabidi mon akujua mko ba na montre kuna kana ordinateur inke na ni mno donc baba ni mwa neva mon ke salamu ni ole nyosi na ntoka yanke na mwa passe na kufilisi mon yao donc ya des fois ya que direct ba 2 mois 3 mois après
Yani que je vois quoi, mais moi, je finis ça. En tout cas, je passe. Il y a que durer comme l'amour. C'est ça. Sinon, c'est à Bwanda, je m'envoie bien. C'est l'air, je finis ça. En tout cas, c'est l'air, je finis ça. Moi, je suis en train de faire ça, le vrai. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, tu viens de le trouver. Je viens de le trouver. Mais quoi? Conseil fédéral, ben awa. Moi, je suis au Conseil fédéral, ben awa. Bon. Il y a que s'empirer parce que n'a qu'on n'a pas que ma place trop trop. Ah voilà. Mais maintenant, t'as lavé mon sac. Si si. Maintenant, t'as lavé. Il y a du rebing bing. Donc, faut pas que vingue le trop. Ah oui. Et puis une bague tu vas au nania invisible. Moi, les gens ils veulent bague dans la ligne wapin. Parce que il y a peut-être que la fédération peut-être une brasse. Maintenant, wapin boit les bagues une bague n'importe quoi. Vous avez. Vous avez. Eh, ben, faut bien être bilimounia parce que je comprends. Quand vous dites, Nania, Congo est indivisible, fédération, ni wap boalin. C'est ça. Vous avez vraiment. Mancha est pas compliqué. C'est ça, pas compliqué. Mancha est un wap boalin. Vous avez dit que vous avez vraiment un mot, mais vraiment. Vous avez déjà pas. Donc, Mancha passé quand il y a un on ne sait pas quoi faire. En tout cas, faut que ça le capiline. Ouais, faut que ça le capiline. Bon. Tranquille, baba, tu es bon, tranquille. Une fois pour toutes, pardon. Une fois pour toutes. Ça oui. Il faut mettre une cuisse, une cuisse, mais vraiment. Et une cuisse, une cuisse. Ah oui. Vraiment. Faut mettre tout quoi, mettre tout côté na na ni environnement, c'est tout quoi. Une cuisse, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, on y passe. Ben, vingé le vétro. Parce que vraiment, bah, t'es boire quand on peut aller passer. C'est ça. Mais là, t'as ma, quand on est de partout, mais là, il y a, quand on est comme un cousin, il y a, il y a, mais ça m'a fait vraiment, vraiment passer. C'est ça. Mais il y a comme un cousin, quand on est là, il y a, 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 Bangudi ya kiyin bet vandi di ale la tab ngata tal ko ngenen ngata ya kana me isa se disi supreme me kuma kama ba mokso me kuma kama ba mokso ka fosia su su pa me kuma kuzengi ya mwa mokso asise yin ya bwana l'hopital asise ngela nat madia na asise be ngela nat madia be asise be donc mama dia ba ke kabul ka kuna ba c'est pas ba makwala ngeke ku dia ba ke pesinge ba madia yina ngombe ba yiki yiki ngene na nat ve se muta ngambe ko l'hôpital ngene na nat ki me ve se ba ko tsinge pe na l'hôpital ngene na basika me ba putana ba putana la bubia ngame ko tsinge ngene na basik ve ngene na basika me ya inge ko ene singe ke ve na bato ngo yini fa so antoka ngeke ku futu ku dia ve ngene ko ene pour les bons quoi se ba ke ko tsinge tu reviens plus. Ça. En tout cas, ben nous y dit quoi. Vraiment. Non, c'est noté. C'est noté. Ben nous notez ya bien. N'a pas passé pour la banane, il faut que la baba livre. En tout cas, mon gars n'a pas cousé mon secret pour le bouquet salaire. Ça fait qu'on est 4, 5 à 5 ans ou même plus. Baga Joabe. Nous allons mon bague mon filisan bon. Bateka bateko n'a pas qu'il y a un bague ben n'a pas livré. Bame sala sala, kabakoum, n'y a ce qu'on n'a pas au co. Ba muza be ba kumbi ya kake ba mboshi ya mubeza ba kumbi ba kumbi ba oko ba itua ba itua ba oko ekanga bo yin muza be muza be mingo oko oko montre la mère la mère tati mumesi mboka koko oko ke montre la mère na tati donc yin ni oko kake musi musi ba donc après en tout cas ba ke vre ba midi vre ba sata vre le ben ke fwa ba ou ku fwa na ba mami baba ba mami me but baba ni yina en tout cas mout ba ke parmi ko ni ken vraiment c'est incroyable. Bah mes couilles en tout cas maman il est 20 trop du mal bon. Merci ils beaucoup. Ils ont fait trop de mal. Y a ah, merci hein. Merci vraiment beaucoup. Si mon gars bouc il avait mon gars suivre le cas si nous avons Mamboka Mugu is a lave Yagasalamutim Passel, Mungetal Mukanga, Mukatalia Pluta, Muga Sote 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 by Place in Mugana was all Vekuta. Merci beaucoup, C'est bon. Ciao. Vous savez, la danse est conga. Et conga. Et conga. Et conga. Ils ont commencé à appeler ça oh, la danse est Congo. Et Congo. Alors, c'est Ekonga. La danse Ekonga. Donc, ils sont en train de voler pour qu'on puisse dire que la danse Ekonga là, vient de la, des ancêtres Congo. Le Conseil fédéral, c'est sans état d'âme. Hein.
Ce sont que les Congos qui libéreront les territoires Congo. C'est tout, hein? C'est tout. On est impatient, faites vite pour envoyer les boutons. Chamicho. Ah oui, vite, vite, vite pour poser des boutons automatiques pour finir une bonne fois pour tout. Ah, ça. Je suis de coup de cœur avec vous, quoi. Ah, moi-même aussi, c'est terminé, quoi. Parce que quand je vois la catastrophe, c'est pas la peine. Je vois ici vraiment les peuples Congo, toute l'Afrique nous déteste. C'est en nous de nous défendre sans souci des criminels étrangers. Apparemment, ouais, c'est toute l'Afrique qui nous déteste. Hein. Apparemment. Même à côté, là, c'est fou. C'est-à-dire, quand on est de l'autre côté là-bas, c'est-à-dire que beaucoup de pays qui sont de notre côté, le Gabon, les machins, tous ces pays-là, on ne parle jamais d'eux. Donc, les voir. Il y a encore des appels là. On peut signer quelque chose parce que demain, sans état d'âme. Ah oui, sans état d'âme. Ah, mais moi, nous sommes là. C'est-à-dire que nous sommes tous embauchés, moi, c'est Awa. Il y a quelqu'un à Awa. Il y a quelqu'un dans le coulou. Dans ma coulou. Il y a quelqu'un dans le boulard. Et que boulard, moi, je suis fatigué. C'est-à-dire que tu es heureux. C'est-à-dire que tu es heureux. Une haine saine. Haine, moi, s'il y a bien une qui te donne la paix du cœur. La paix du cœur. Oh! L'hôpital d'aujourd'hui, tu rentres et tu te retrouves vivant à la morgue, à ça. Vous savez que j'ai même vu des trucs là-bas. Il y a un monsieur qu'on a mis à la morgue. On l'a retrouvé, on l'a mis dans un cercle, on l'a retrouvé vivant. Je vous dis que là-bas, c'est le royaume du sang. Ils ont besoin du sang, mais pas le sang des Mboshi. Votre sang. Parce que les Mboshi, ils sont pour eux bêtes. Donc, Satan n'a pas besoin du sang des gens bêtes. Vous voyez? Donc, ils sont après vous, après nous. C'est-à-dire que les gens, là, ils ont même fait des papiers où ils ont écrit que non, on doit les suivre jusqu'à l'étranger. Maman Angoulou, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Non, mais il faut éteindre la télé ou l'ordinateur. Là. On peut parler directement avec le téléphone. Bonne année. Bonne année, maman. Tu me reçois? Bonne année, Bani à Congo de Totela. Bonne année. Faut arrêter la télé. Il ne faut pas regarder en même temps que tu regardes à la télé. Il faut directement parler au téléphone. Oui, mais je n'ai pas de téléphone. Oh, d'accord. Il n'y a plus rien, j'ai tout arrêté. Ça marche, merci. Voilà. Bonne année, la belle union. Il n'y a que les postes. 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 Il y a déjà un référendum. Il y a un lunga, il meni. Aboupia. Je peux se prononcer, c'est fini. Ça, c'est une chose de la tête au popopo, ça, le sud, mais ça, le d'accord. Diambo, il fait le lutin comme un membanis. Mais si vous me posez la coupe, ça donne une chose. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Mais moi, que je donne à moi, histoire, moi, c'est quand moi, c'est raconté que tu vas pas au Québec. Histoire, il y a eu. Moi, si vous avez dit, quand tu as la yina, qui m'a dit, qui a couloutil, la tima impri, qui a couloutil. Tata, il y a eu manissa, qui a boit la nion, ça. La koudia, bani, à bangan. Koudia, bani, à bangan. Mais le dernier profil, il y a des moines à siéti, il y a des diaka. Moutine indiqué imbi, bête n'yoske manisa pour foi. Moutata moske dikana na inta ya yve. T'attendable que mbote parce que y a me boumba mystère yandi. Parce que tu m'oubli n'a gete kouenda. Il n'a gete tout mouke katou n'a gete mouni ya mouni. Même big, même si l'IP a un peu de l'enveloppe, tu as dit que tu as changé de culotte et que tu as salité.
wafacho anzati akubujwa ina wafacho tata na yani ke kuwaka vyo bandinga beto ba mama mifatige ko yani zonza ikwa ba de faka ba futula yandi ko anzonzi kwa ba de faka vitu biandia ambongo kena yandi bima nyoze yandi inza yandi petrole yandi nzo yina kena mfinda ya yandi masa ya yandi ambote bima nyoze ambote na yandi mbika mapanga memo mpepe na nganda. Oh, tata nzambi. Asa. Pasi na lutila. Vraiment. Yeah. Yeah. Mbukila. Tangwa kaka ngege zonza ti. Muka zonza diaka ve. Mm. Paske diako beti mezenga. Metata, siya metala kwane. Puisko bete zonza vwe kufanda na wapangi. Ni beti vwande, ni beti zonza mwa. Beti vwanda na tando beti na banda. Mnifo suyina. Mm. Baku vwanda na kivita. Ha? Wafose ya kujina ya foso yae. Esa. Kitanzu ya foso ya foso. Pas me lutila. Mm. Hein? Pas me lutila. Mais bon, ya vandika kana kuzonza abani ya Congo. Mm. Vraiment bonne année. Bon mebe tuvane ni kitwadi. Mbongo ina ke chini ya pamba. Kima atamo sibe tuko na yenza na isi ya toto. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Beto libere inza ya beto. Tala papangi on est mieux chez toi. Vraiment. C'est on ça. Est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Hein? Qui a dit? Qui a dit? Qui a dit vraiment? C'est incroyable. Hein? Hein? Vraiment bien mignon ce qu'on a dit. Peuple, il y a qui a mis ça là, il y a un décor. L'hôpital, vraiment ça, c'est bien mignon, son passé. Oh là là. Iki, fota, ta, iki. Iki. Pinchette. Hein? Oh! Pinchette, ça veut dire vis-à-vis. Mais mettre mes hommes contre Canaï. Il y a bête aussi comme contre Canaï. Donc voilà quoi. Bon, on va. Non, bon. Non, va. Mais parce que Nakaka, ben le voit bien, ben tu vois même qui toi dit. Merci. Ben tu arrêtes Kouswana. Tant que bien avec Kouswana. Pas si même comme Lutida. Merci. Voilà. Merci beaucoup. M'attendre, Tad. Merci. Ah là là. C'était Mangoulou was in the building. Dès que tu as la iki, melambao. Oh, c'est-à-dire que, il y a que bien, mais qu'on a pensé à être vraiment qu'elle est. Ah ben, tu peux faire ma nîme. Oh là là. Il y a masse. Il y a masse à prendre coupe l'émission ici. Odeur. MG Studio Production. Il y a masse. Mentalité boudeur.
Bien, les gens, nous allons lever l'ancre. Hein. Je pense qu'on reste focus sur ce que nous avons décidé. Et vous connaissez l'appel, c'est sans appel. Donc, vous connaissez déjà. Il y a un peu de boula. Il y a un boulba au Nyostuna. Il y a un bingisa. C'est-à-dire que Beno, Bakaban Zay, but the question is turn to. Oh, me, Mustundi, oh, me, Bashir, but take the woman and nanny. Kaza Bakano Bob with the question, Bonnie Munix and Coach Munixi. Tango Ipuana, Utumana Zakalako, walk out Zabit for being tobacco. Moka donko. Go and bam on Sansa in a Moka donko. Mona Sundi over the town portaco, obligo to take a bit of to bam of Bukabi. Yanese. Eme mwana mwatu, kama ya nini nyanu teka kwa ulonde kwa kutaba makange. Mbebe tebantu ni mbubu tuba kwa tuzaba. Mbebe dele kasa, mbubu dele kasa. Mbubu dele kasa niko. Walu zebi, mbubu tuzaka, mbubu tuzaka, mbubu tuzaka laka kumisata za beto. Aku banati, zuri moshikwa. Betu bakongu nyosu, naba vili, naba nani, betu ke vwanika ndingi mwosu. Lea betu ke vwanku, betu ke bongizi mamamu ya betu, betu ke sali mamamu ya betu ya biaina. Ben mo dikata teke sa ben ke saliki bet ke bulben bet mo chit ben na na ming bet ke bulben nyosto ben dikata teke sa paru ir balwa ye bobu tu shir bobu ka kuuta sala na ka saliki jingu bet na bet wa wiri dok wo yaya na kuna walu zebe pat donc yaya na donc gauche na wata wano. C'est-à-dire que vous mochez, vous avez un peu de temps. 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 Samia betu mie, vutu kwa buwa nga samia ndoko, kwa turi mkunga doko balaba ya kwa utanchina mbona betu. Hame bau mvena kwazi. Vena samia kwa lzebi ya. Neski nge ngaya, ngaya ili niku izonza mdeva playboy. Ngaya zoji kwa tuki. Wali mwani wako lzebi boba kwa si sapa, kipa tuka kubichini be betu. Pasi kwa sapa wako lzebi kwa kwe, kwa ya meni nani, kwa 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 Ni vose. Quand ben oral d'accord mon est, quand bobo donc, quand chibalu dig, ça mon amour motioning et attaqueta, au cop m'bakiru, baba l'insa cop. Même cop bête tout le monde sans, sans bête tout zébin, sans bête tout yirika, au cop. Bah ou donc, tu as fait ça comme si la cop au secteur, au cop m'bakiru, le pangon t'a quoi 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 t'a Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Donc, baou, nimba, njila kwa ya bambo shini yoyo. Adi, baou nge ngele kwa kote le chari, tibakiri pele nge. Chari ncha kwa kote se nge bebele. Wako nta kol tele, bene lubuke no, ntele bo manishi. Enka sukulu. Esa. Donc, les gens, donc, vraiment kak fascina, basi, peut-être mwe kuiza wa. Bête que zone ba mamba bête ma future bête parce que faut me battre zone ba mamba ba bouton yaï. Hein? Comme ça ben zonzi dia ba banche à beno. Ba vend déjà prêt. Ben aussi ben vend déjà prêt. Maintenant t'as là. Parce que ma bouton yaï, banche yaï. Oh. En tout cas. Donc merci encore d'avoir suivi le show les gens. God bless you all. Nzambi katu keba matondo. Matondo, matondo, matsakela.